Presque. Presque, Prums. Je vois que ça se bouscule au portillon. Dans tous les sens du terme. J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas de chrono. Ah non, il n'y a pas de chrono. Y a pas de... Ah si, il y a une vidéo. Enfin, il y a une sorte de replay vidéo. Il y a le chat, mais c'est un peu compliqué. Mais vous êtes tous Prums dans mon cœur, vous inquiétez pas. Et salut Chris, salut Spaz, et salut Delenia. J'espère que vous allez bien. Vous mettez à l'épreuve mon système de vidéos qui se lance à chacune de vos, à chacun de vos premiers messages. Je vois que ça tient le coup. Je suis plutôt content. Il n'y a pas eu une vidéo qui s'est bloquée, parce que ça aurait pu être le cas. Mais bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un week-end un peu Zelda-esque. Excellent jeu. Et j'ai posté une vidéo YouTube, voilà. On va pas y revenir très longtemps, puisque bah, elle a bidé comme je le pensais. Je vais quand même faire un petit sauvetage, histoire de dire, voilà, je fais le maximum pour pas qu'elle bide. Mais bon, la dernière... c'est pas comme ça, derrière. C'est pas comme ça, dernière. Putain, je sais pas écrire dernière. Bon, bref. La dernière vidéo sur le YouTube, virgule, on parle de Light Gun. Voilà. Je la poste puisqu'il le faut et je la poste dans le chat. Comme ça, voilà. Merci à Redman d'ailleurs pour son follow qui a follow là il y a pas très longtemps. Il savait que le live allait démarrer et il a follow. Je sais pas, quelqu'un a peut-être parlé de moi. YouTube ne me l'a pas proposé. Alors ça, c'est très, c'est pas très étonnant, puisque ça fait très longtemps que je vis une sorte de shadowban. Je pense que le sujet de mes vidéos ne plaît pas à YouTube, tout simplement. Après, c'est sa plateforme, hein, c'est lui qui décide. Vous savez comment c'est. La beauté du sport, c'est beau, exactement. C'est un peu... je pense que ce serait mon épitaphe, en fait. Je pense que mon épitaphe, ça peut être pour la beauté du sport. Voilà. Ou par principe, ça pourrait être ça, mon épitaphe. Bah, moi, il m'a proposé ta vidéo. Ah, c'est-à-dire que le compte de Space qu'il a, il est pas totalement... il est pas totalement bouffé, ça va. Par YouTube. Après, ça m'étonne pas que YouTube ne propose pas ma vidéo, puisque c'est pas une vidéo qui va leur apporter beaucoup de thunes. Et faut pas oublier que bah, derrière YouTube, il y a avant tout des gens qui veulent de l'argent, hein. Faut pas chercher plus loin. C'est sûr qu'un petit drama à la con chez Ici Japon, ça rapporte plus d'argent que économiser de l'argent sur des accessoires rétro gaming. Je crois que mon micro, il est en train de hurler. Il est réglé trop fort. C'est la première fois que ça m'arrive, par contre, ça. Depuis que je l'ai acheté. Et là, il a l'air vraiment beaucoup plus fort que d'habitude. En plus, c'est marrant parce qu'ils font, ils font de rien du tout un espèce de drama gigantesque. C'est très très drôle. Le microcosme de ces gens qui font du YouTube pour faire du drama, c'est très très marrant. Salut Samy-san ! Pourquoi tu nous gueules dessus ? Oui, je sais, c'est fort. Je pense que le micro est très fort. C'est pour ça que je parle moins fort en audio. Par contre, alors Windows étant tellement bien fait aussi pour aller chercher les paramètres de son... son... Modifier les sons système, bah non. Mélangeur de son. C'est pas vraiment ça non plus. Il est où l'ancien système de son en fait? La veille de sortie. Le son de leur parc d'attraction. Bon bah écoutez, on va faire à l'ancienne, on va baisser le volume du micro parce que je sais pas comment régler les niveaux du micro. Normalement c'est correct là. Voilà. Tentative de braquage armée d'une PS3. Arun Taku vous explique comment survivre. La troisième solution va vous étonner. Delenia de la collection, le nom à particules. Je sais pas où ils en sont de leur parc d'attractions, mais il y a des employés qui commencent à... Enfin, des employés qui ont quitté la boîte, qui sont revenus, qui ont requitté la boîte, donc peut-être des employés à problème, je sais pas. Qui ont été trop évasifs dans leur motif de pourquoi ils sont partis. Et ça a fait un drama parce que du coup, leur communauté étant 94% de gens toxiques et le reste de fans du Japon, ils ont eu
des retours de flammes de ces vidéos de réactions et de je m'en vais de ici Japon parce que Tev est un menteur, parce que j'étais trop absent, tous ces trucs là. Ça m'étonne pas. Je pense que là, je vois précisément comment la boîte est gérée. Et ça m'étonne vraiment pas tous ces témoignages. Mais bon. En tout cas, j'espère que vous allez bien. moi, ça va. Hein. J'ai quand même fait du Zelda, donc c'est cool. La semaine prochaine s'annonce plutôt calme, normal, quoi. Et pas de nouvelles de Naomi, bien sûr. Mais dès que je reçois Naomi, je pose des vacances au travail, puisque j'ai 11 jours à poser. J'ai prévenu. Ça va être marrant, d'ailleurs. Parce que je vais recevoir la borne, et à partir du moment où je reçois la borne, je vais avoir quasiment, pas 2 semaines, mais une grosse semaine de vacances, on va dire. Ça va être marrant. Du vrai non-drama. Ouais, bah oui, mais en fait, c'est comment faire une tempête dans un verre d'eau. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est genre, tu prends quasiment rien pour en faire une situation dramatique, et comme le drama sur YouTube, ça marche... Puis alors c'est vraiment à base de toutes les vignettes et de tous les titres possibles pour faire le plus beau clickbait de l'histoire. Donc évidemment des explications techniques sur comment créer des sensors pour un GunCon 3. Bon, je me doutais que ça passerait un peu inaperçu. Voilà, voilà. Donc j'ai 2 choses à vous dire avant de démarrer la Dreamcast, puisqu'on va quand même parler un petit peu de la Dreamcast avant de commencer les récompenses Bailly, en tout cas la recherche. D'un lot des grands classiques de la Dreamcast, c'est ça que je cherche ce soir. C'est un bon lot en fait, qui regrouperait au moins Soul Calibur, Code Vero et RE2 si possible, Sonic Adventure, pourquoi pas, Sonic Adventure 2, ça serait cool. Voilà, ça sera surtout dans mes goûts. Sachez que j'ai déjà cette radio. Et j'ai déjà Shotoku Battle, qui faisait partie des jeux que j'aurais voulu avoir aussi. Chez nous, ça s'appelle Tokyo Highway Challenge, je crois. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais? Climax Lenders, je l'ai déjà. Time Stalker, je l'ai déjà. Skies of Arcadia, je l'ai déjà en PAL. Soul River, je l'ai déjà en PAL. Mais de toute façon, je suis même pas sûr qu'il existe au Japon. Il doit exister en version japonaise. Les classiques, ouais. Exactement. Et voilà. Ouais, alors les shmups, ça va se limiter à Ikaruga, je pense. Je connais très mal les shmups Dreamcast, mais... Je connais très mal les shmups Dreamcast. Pour moi, Ikaruga est un classique de la Dream. Maintenant, j'ai peut-être tort, parce que c'est sorti aussi sur GameCube et par la suite, mais dans ce cas-là, ça fait que la Dreamcast a plus beaucoup de vrais classiques, quoi. Genre, Sonic Adventure est sorti ailleurs, Code Veronica est sorti ailleurs, ça fait un peu ça, quoi. Shenmue, il n'y en aura aucun que j'ai pas ce soir. Dommage pour la signature. Même pas un jeu inconnu, obscur. Ben, je sais pas. Est-ce qu'il y a des... Alors, attention, un classique de la Dreamcast peut être obscur. Je pense à des jeux j'ai pas d'exemple, évidemment. Mais il y a des jeux obscurs qui sont devenus des grands standards, quoi. Power Stone, ça fait partie des jeux que j'aimerais trouver, par exemple. Même si je vais l'avoir en arcade. Ikaruga, classique for sure. Ouais, c'est un classique. C'est pas un shmup obscur, quoi. Et la guitare crie. Et la caravane passe. Donc voilà, puis on trouve des hardware Dreamcast, alors malheureusement on pourra pas acheter un gun, même si le gun Dreamcast, je me demande s'il passerait pas les douanes quand même. Hein. Parce qu'il ressemble à tout sauf à un pistolet, quoi. Il ressemble vraiment pas à un gun, le gun Dreamcast. Du coup je me demande s'il passe. Parce que House of the Dead 2, ça fait partie des très grands classiques de la Dream aussi. Bloodstinger, ça fait partie. Bloodstinger, je sais qu'il va être dans n'importe quel lot que je vais trouver. C'est un jeu Dreamcast qu'on retrouve dans quasiment tous les lots. Evolution est un jeu qu'on retrouve dans énormément de lots. Même si je le veux pas, je pense que je vais le trouver du coup. Grandia 2, tous ces jeux-là, quoi. T'as jamais essayé? Bah écoute, ça sera peut-être l'occasion de se faire hijack par la douane. Bonsoir à tous, c'est Perrine Otaku en fait depuis le début. J'espère que vous allez bien, encore une fois. Je le répète pour ceux qui viendraient peut-être au fur et à mesure, hein, évidemment. Je me tienne droit, sinon je suis pas bien cadré.
Deux choses à vous montrer. Tout d'abord, le Savoie Games Festival. Il y a le Savoie Games Festival qui va avoir lieu prochainement. Quand exactement, du coup? Dans la billetterie, il doit y avoir à peu près les dates, non? Non, le pass week-end. Ah voilà, du 5 au 6 octobre à Annecy. Si vous êtes en déplacement à Annecy, entre le 5 et le 6 octobre, sachez qu'il y a le Savoie Games Festival là-bas. C'est plutôt cool. C'est pas très cher, vous voyez, c'est 12 euros pour avoir une tombola un an de ciné. Bon, c'est peut-être pas obligatoire de prendre ça. Pour les enfants, c'est 4 euros. Pour les adultes, c'est 9 euros. 7 euros pour le week-end complet pour les enfants. 17 euros pour tout le week-end pour les adultes. C'est le prix normal d'un festoche, comme on dit. Je déteste ce mot, putain. Je déteste ce mot. Et le programme est là. Donc le programme, il y a scénario et narration sur YouTube, créer du contenu viral, le secret des vidéos qui fonctionnent. Voilà, peut-être que j'aurais besoin d'aller là, par exemple. Rétro gaming, innovation et héritage, une aventure à travers le jeu vidéo, tout ça, tout ça. Je vais arriver au point qui est intéressant. SRG Gaming Contest, voilà, du papier à l'écran. Comment adapter des livres en jeu vidéo, comment se sont aidés à adapter certains livres en jeu vidéo. Il y a des nanas, il y a des gonzesses. Il y aura des nanettes même, peut-être. L'ascension de l'e-sport d'une passion à une industrie mondiale, voilà, quand le jeu vidéo devient littérature. Tout ça, c'est des petites conférences qui se passent dans des salles de conf. Et il y en a une qui est très intéressante, qui est faite par Matt Retro Gamer de Mode in France. Et c'est une conf qui aura lieu le dimanche, FPGA et Retro Gaming, préserver le passé avec précision. C'est une présentation qui va explorer comment les machines FPGA permettent de recréer fidèlement le hardware des consoles rétro et des machines d'arcade. Le projet Mister FPGA sera présenté bien sûr avec des exemples concrets de développement, ainsi qu'une comparaison avec l'émulation logicielle. Donc avec tout ce qui est latence, tout ce qui va être les problèmes entre guillemets de l'émulation logicielle versus les avantages du FPGA. Le prix, évidemment, est un désavantage, donc il y aura sûrement toutes ces problématiques-là. Voilà, sachez que c'est intéressant si vous êtes en Savoie au début octobre, il y aura le Savoie Game Festival. Je passe à autre chose, un magasin assez intéressant, mais qui est aux États-Unis, mais qui est assez intéressant et qui vend un objet que j'avais jamais vu de toute ma vie, qui est très rigolo. On m'avait dit, te pose pas trop de questions, comme dirait Patrick Bruel. Et on m'avait surtout dit que la carte Naomi est évidemment complètement une Dreamcast, entre guillemets, mais avec une plus haute fréquence et avec plus de mémoire en arcade. Donc ça fait d'elle une Dreamcast plus vraiment, hein, pas juste un tout petit peu plus. Salut Gupiru, bienvenue à toi. La petite pelle ! T'es trop petit pour streamer sur Twitch ? Non ! J'ai 13 ans, j'ai plus de 13 ans. Et salut Monsieur Ariotaku et les petits amis, bienvenue LPP. Bienvenue à tous les deux, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et donc cet accessoire prouve encore plus que la Naomi est une machine purement Dreamcast quand même. C'est qu'ils ont réussi à faire une board. Donc cette petite board, la petite board, comme la petite pelle dans le chat, c'est la petite board celle-là, qui permet de brancher deux ports Dreamcast directement sur la Naomi sans alimentation. C'est assez drôle parce que la manette Dreamcast est quand même alimentée par du courant, donc j'imagine que dans les pins qu'on branche, je sais pas si on peut voir. Avec une petite vidéo ici, on peut voir que c'est sur ces pins-là qu'est branchée la manette, du coup. Ah, ça a des adaptateurs spéciaux. Avec toutes les pins, en fait. Toutes les pins sont peuplées. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de courant dans ces pins-là, en tout cas. Et donc, on peut brancher des manettes Dreamcast en direct sur la Naomi, grâce à ça. Et ça ne coûte que 35$. Bon, le vrai problème de ce site, c'est que je l'ai découvert tout à l'heure, mais le problème, c'est que c'est américain. Vous voyez, c'est free USA shipping. Ah, peut-être qu'ils envoient aux USA? Attends. Je pense que c'est un site américain, quand même. Je pense que Mister Addon est un site américain, malheureusement. Plus 50 euros de frais de port. Oh non, en fait, c'est le shipping est gratuit pour les US si tu commandes pour 250$ de produits. Donc j'imagine que pour nous, ça doit être trop cher de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est plus le produit que le site qu'il vend. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce genre d'adaptateur existe. Voilà. Moi, ça ne m'intéressera pas du tout. Mais si vous voulez un jour vous faire une borne, voilà. Sachez qu'il y a un adaptateur qui coûte 20 euros, qui se branche directement sur le port USB qui est là. Moyennant une alimentation USB type C, vous avez manette 360, manette volant 360, des GunCon 3 de PS3 qui se branchent dessus et qui vous permettent d'avoir tous les inputs
possible sur la Naomi. Donc c'est quand même vachement plus intéressant que des manettes Dreamcast, je trouve. Voilà. À moins que vous vouliez jouer à des jeux que vous avez aussi déjà sur Dreamcast, mais sur Naomi. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui sont sortis que sur Naomi et pas sur Dream. L'adaptateur permet de ne pas couper les plugs de la manette Dreamcast pour la brancher sur la Naomi, ce qui est aussi possible. Oui, c'est vachement... Alors ça, bien sûr, évidemment, c'est ce qu'a dit... Alors je sais pas s'il l'a coupé, lui, mais Matt Retro Gamer, justement, celui qui va au Savoie Game Festival, c'est bien fait. Il a dit que lui, il l'avait fait lui-même avec des câbles thermo... Enfin, des câbles faits maison. Donc je sais pas s'il a sacrifié sa Dreamcast ou s'il a acheté des adaptateurs, mais je crois qu'il avait sacrifié ses manettes. Oui, il y a quand même une bonne liste d'exclus, mais pas que des bangers. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de, il y a pas mal de trucs très adaptés aux bornes d'arcade, mais pas forcément excellents en mode salon, quoi, forcément. Après, c'est vrai que la Dreamcast avait l'avantage aussi de convertir beaucoup les jeux, quoi. C'est-à-dire que quand un jeu sortait sur Dreamcast, il avait toujours un petit mode en plus. Je pense notamment à Dynamic DK. Attends, c'est Die Hard Arcade. Dynamite Cop et Dynamite DK, c'est le 2 sur Dreamcast, c'est ça. Et lui, il avait un mode spécial aventure différent sur Dreamcast, si je me trompe pas. Pareil pour les jeux comme Soul Calibur, qui est très différent de l'arcade. Hein. Il est même entièrement refait, c'est même pas du tout le même jeu. Power Stone, il me semble qu'il avait un mode différent aussi. Il y avait pas mal de trucs qui s'adaptaient un peu à la Dream, quoi. Je pense que Sega avait beaucoup appris de la Saturn quand ils ont développé la Dreamcast, en se disant, on peut pas décemment faire les jeux au 1/1ème Dreamcast, les jeux au 1/1ème Saturn Arcade, comme ils ont fait avec Sega Rally, ce qui était un peu rageant. C'est Fred Kitt. Et avec Daytona aussi. Daytona, c'était du foutage de gueule en vrai. Virtua Fighter et Daytona, c'était la repro parfaite de l'arcade, il n'y avait rien de nouveau, quoi. C'était vraiment les mêmes persos, les mêmes choses, tout était identique. Virtua Fighter 2 avait ça aussi d'ailleurs, c'est un peu dommage. Sega Rally, un peu moins. Mais ça restait des jeux un peu paresseux, malheureusement. Grâce à Dams du Zodiac, que je remercie encore une fois pour la communication qu'il fait sur mes tweets et sur mes vidéos YouTube, ce qui a été un des rares partages, finalement, de ma vidéo YouTube, il m'a filé, donc comme d'habitude à chaque fois, Dams, il a une collection assez incroyable de flyers, pas de flyers, de petits livrets promotionnels qui étaient distribués notamment à Score Games. Ici, c'est le livret promotionnel de Score Games pour le lancement de la Dreamcast, avec des offres spéciales de la console. 1690 francs avec 160 francs de bon d'achat à utiliser dans le magasin, comme vous voulez, 10% de réduction en fait sur le prix de la console. La console avec le modem, une manette analogique, une câble Péritel, câble secteur, cordon téléphonique, adaptateur téléphonique, CD démo, CD internet. Tout ça pour 1690 francs, et on peut voir, grâce à cette petite capsule temporelle, c'est ce que j'aime dans les magazines que je vous lis au début de chaque stream, on va lire aussi le numéro 1 de DC Mag officiel, Dreamcast Magazine officiel, qui était sorti en même temps que la console, pour voir un peu comment la console était présentée dans ce magazine, mais c'est vraiment des petites capsules temporelles qui nous font revivre des époques que pour la plupart on a connues et qui sont vachement intéressantes de remettre sur la table au moment où on va reparler de ces consoles. 1190 francs, collaboration commerciale. Évidemment, si je pouvais avoir une collaboration commerciale avec Sega France, moi je serais très content, mais voilà quoi. Donc la PlayStation 9 était encore à 790 francs quand la Dreamcast est sortie. La Dreamcast est sortie donc deux fois plus chère en gros hein, qu'une PlayStation. Et d'occasion, vous pouvez la trouver dans les 600 francs. Qui était dingue, ça voulait dire qu'en fait la Dreamcast, la PlayStation battait encore bien bien son plein, alors que la Dreamcast sortait en octobre 99, si je me souviens bien, un truc comme ça. Avec Luc Boursier. Ah, Luc Boursier, j'aimerais bien le rencontrer maintenant, c'est vachement intéressant. Il doit avoir plein de trucs à raconter sur Sega, sur Maître Sega. Et sur le fait que Sega France avait communiqué sur... Ah, putain, ça aussi c'est une anecdote très marrante, mais il y a un Mega Force qu'on avait retrouvé d'ailleurs, on en avait parlé quand on avait parlé de Landstalker. Vous savez que je scanne de mes yeux aiguisés tous les magazines qui peuvent parler des jeux que je fais tous les soirs, ce qui me prend beaucoup de temps d'ailleurs au début des streams, mais on avait fait évidemment des live Landstalker il y a quelques temps, et j'avais vu une image de Landstalker dans un article qui parlait du Sega Channel, et il faut savoir qu'aux États-Unis, les Américains ont eu le Sega Channel, et ils ont eu Landstalker dans le Sega Channel.
ce qui est un enfer sur Terre, puisque le Sega Channel, on pouvait pas sauvegarder dessus. Enfin, on pouvait pas garder la sauvegarde de Landstalker, il fallait juste laisser la console branchée sur le secteur pour que la sauvegarde reste. Si vous débranchez la console du secteur, le condensateur gigantesque du Sega Channel se vidait, et à ce moment-là, bah, c'était baisé, vous n'avez plus de sauvegarde. Et c'est drôle parce que Sega France, bah, il prévoyait de mettre Landstalker aussi dans le Sega Channel français qui n'est jamais sorti. Et bonsoir Mokona78, comment tu vas? Bonsoir les Huggy. Les Huggy? Huggy les bons tuyaux? Tu veux dire que je suis un bon tuyau? C'est ça que je suis? Comment vas-tu Mokona? J'espère que tu vas bien. J'ai trouvé le jeu de mots du premier coup, c'est incroyable. Très intéressant du coup de voir voilà, un petit peu la situation de l'époque, et on peut voir qu'en plus, si vous achetiez la PlayStation neuve, je pense, vous aviez 60 francs de bons d'achat en cadeau. Nos consoles d'occasion sont garanties 6 mois. Alors à l'époque, sur la PlayStation, je pense qu'ils devaient serrer les fesses. C'était quand même une console qui tombait grave, grave en panne. Dans tout ce que je vois là, il n'y a pas de console qui tombe vraiment en panne. La 64, ça va. La Saturn, pas plus que les autres consoles CD en vrai. Mais la Play... C'était la fin de la Play, remarque, je suis peut-être mauvaise langue, en fait ça allait. Ça allait, la fin de la Play ça allait, 98-99 ça allait. On voit ici donc la 64 en neuf qui coûtait 649 francs, elle coûtait quand même beaucoup plus cher, c'est marrant ça. C'est marrant que la 64 coûtait plus cher que la PlayStation à cette époque-là. Pas de beaucoup, mais quand même. Ça faisait toujours du 500, entre 500 et 600 balles d'occasion les consoles de l'époque. Et il y avait quand même 1000 balles à rajouter pour avoir une Dreamcast. Mais vous aviez Internet, vous aviez des promesses incroyables de consoles 128 bits. La Game Boy en neuve était à 349 francs, c'est très très cher. Hein. Game Boy noir et blanc se vendait encore, alors que la Game Boy Color se vendait. Ça, je savais pas, tiens. Je savais pas que Nintendo vendait des consoles encore, vendait les deux gammes. Je pensais que la Game Boy Color avait remplacé la Game Boy Pocket dans ma tête. La Neo Geo Pocket, qui était importée de façon très très amateur en France, mais qui était importée en France, puisque Micromania les vendait aussi d'ailleurs. Comptez des séries 5500, il y avait quand même beaucoup moins de problèmes. Ouais. Je donne des bonnes affaires, c'est ça. Je suis Huggy les bons tuyaux. Et alors, ce petit logo là, il y a un problème de logo sur cette Super Nintendo. Je pense que tout le monde le voit. Moi, ça me trigger, hein. Ça me trigger terriblement. J'ai envie d'appeler le maquettiste. Et j'ai envie de l'appeler. Et de lui dire, mec, quand même, tu te souviens le numéro là d'octobre 99, hein, spécial Dreamcast là. Tu te souviens hein, de ce logo de la Super Nintendo là. Ouais, hein, t'en souviens. Hein. Et donc à l'époque où la Dreamcast sortait, les rétro gamers en herbe que nous étions pouvaient se procurer des Super Nintendo et des Mega Drive pour 150 francs. Ce qui équivaut en euros à... Ça équivaut à quoi en euros? 150 francs, 200 francs, ça équivaut à quoi en euros? C'est ridicule. Mais c'est vachement intéressant en tout cas. 20 francs, 20 euros. Pour 20 euros, tu peux acheter une Super NES ou une Mega Drive. D'ailleurs, il y a marqué. Oh putain, mais c'est terrible. Il y a une faute. Plus tu regardes, the more you look, the worst is get. Mega Drive 1. Et c'est une Mega Drive 2. Attends, attends. Mega Drive 1, Mega Drive 2, 199 francs. Ah putain, c'est terrible. Appelez-moi un ergonome, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je comprends rien à ce qui se passe. Oh, le plus t'essaies de comprendre, le plus t'as mal au crâne. Je comprends rien à ce qui se passe. Et ils mettent pas une grande sélection de jeux d'occasion sur Mega Drive et Super Nintendo. Tu copies-colles les trucs sur les pages et puis voilà. Oui, c'est ce qu'on lui a dit, je pense. Le bon du vénère. Ouais, c'est ça, c'est... Ah, c'est ça, la Super Nintendo. C'est Mega Drive 1, 2, si tu la mets dans l'eau froide, c'est une fille. Oh, incroyable. Tu crois que ça marche comme ça? Faut que j'essaye avec mes consoles. Du coup, si je me la loupie avec le picture shop, Attends. Le Magic Shop, dans l'eau, ils vont changer de sexe. Ouais, donc du coup, Game Boy Color, Game Boy Noir et Blanc en vente simultanément. Ça, c'est incroyable. Et la Neo Geo Pocket Color, donc importée comme il pouvait, et d'occasion, uniquement la Saturn. Donc elle était déjà plus en vente en neuf en 99. Hein. La Saturn était déjà discontinuée, puisque la suite arriva
arrivate, comme on dit, sous les formes de la Dreamcast. Des formes qui sont discutables. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve... Comment expliquer ça ? Trop compacte. Et je me dis que s'il avait fait plus grosse, elle aurait peut-être été moins bruyante. Référence à la sortie de la nouvelle série Ranma 1/2 qui sort la semaine prochaine. Incroyable. Mokona qui fait sa pub pour sa série Ranma 1/2. C'est vrai qu'il y a le nouveau Ranma 1/2 qui sort, et ça avait l'air plutôt prometteur d'ailleurs, les images. Une de tes préférées ? Très bien. Alors c'est noté. Pas sûr, c'est juste qu'ils ont mis un ventilo de merde. Bah, c'est pas un mauvais ventilo en soi, mais c'est... Enfin, je me dis que quand même, dans une plus grande coque, on aurait moins entendu le ventilo aussi. Les premières Saturnes avaient le même ventilo, et on l'entend presque pas. Hein. Les premières Saturnes, elles avaient un ventilateur. Compacte et lourde. Ça m'a toujours un peu perturbé, une console pas plein de vide. Ouais, c'était bizarre, hein. La preuve, on peut y mettre un octo hyper... Oui, on peut y mettre un octo hyper silencieux, mais... Mais oui. Moi, je suis toujours pas très très pour ça. Moi, j'ai toujours très très peur de ça, de remplacer un ventilateur. Je pense qu'au niveau efficacité, j'ai toujours un peu peur. Mais je remplace le ventilateur de ma Naomi, seulement le ventilateur qui évacue la chaleur, pas le ventilateur du pros. Là, après, c'est pareil, dans la Dreamcast, c'était un ventilateur qui évacuait la chaleur du radiateur. Donc c'est pas non plus c'était pas non plus un radiateur, c'était pas non plus un ventilateur qui était vital, quoi. Même sans ventilateur, d'ailleurs, la Dreamcast, elle tourne assez longtemps, hein, en vrai. Mais bon, c'est sûr, dans toutes les machines au monde où il y a un ventilateur, on peut mettre un octo silencieux qui coûte quasiment le prix de la moitié de la console, de la moitié de la... Enfin, un prix en R&D beaucoup trop cher. Salut Chris ! Bienvenue à toi. Et du coup, voilà, je vous ai sorti l'article qui parle de la console. Vous voyez ici la borne de la console. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant à regarder. Dans la pub Micromania, ils avaient mis la borne de la Dreamcast. C'est dommage, hein, ces espèces de trucs dégueulasses autour de la manette pour pas qu'elles soient volées ou arrachées. C'est toujours le même problème, quoi. Et la borne était excessivement laide, je trouve. Je trouve vraiment ça très moche. Je préférais même la borne de la Saturn ou de la première PlayStation qui était vraiment stylée. Les bornes, je trouve qu'elles ont vite, elles sont vite passées au n'importe quoi à partir de la PS3. Merci Chris 00. Merci. Argent dans les yeux et la bouche. 00. Émoticône sourire. Émoticône sourire. Merci beaucoup. Merci Chris, c'est très gentil. Merci pour ton soutien, merci beaucoup pour ton sub, merci pour ton troisième mois consécutif d'abonnement à la chaîne, c'est très gentil. Ça a fonctionné d'ailleurs, j'ai pas regardé. J'étais troublé. C'est ça, il y a un sub avant le déclenchement de la prochaine gacha. D'ailleurs, gacha d'avant qui a été gagné par Delenia Collection et que j'envoie demain matin normalement. Faut juste que je réécrive l'adresse parce que je psychote sur le fait que la poste mette pas de la bonne volonté à lire l'adresse et que ça pourrait se perdre. Dès maintenant, venez tester et découvrir les fabuleux jeux Dreamcast dans votre Micromania grâce à cette borne fantastique et formidable. Pour moi, la plus belle, c'est la borne du Mega CD. Ah oui, la borne du Mega CD avec le gros CD, bien sûr. On va la regarder parce que quand même... Pour moi, la plus belle, c'est Elisabeth. Pardon. Il fallait que je fasse cette blague de merde, c'était obligatoire. C'est elle, je pense. Par contre, est-ce qu'on a une version complète avec la télé et tout ? Parce que là, il n'y a pas les télés. Je pense que c'est le premier truc qui a été scavengé des bornes Mega CD. Hein. Je pense qu'ils ont récupéré les télés, les gens. La boîte de la Multimega Pal, putain, ça c'est incroyable. C'est pas la boîte, c'est une publicité, tiens. Il y a si peu de photos de la borne. Avec le gros CD là. Et au milieu du CD, t'avais le hublot avec la console à l'intérieur. Le Mega CD 2 chez nous et le Mega CD 1 au UK. Par contre, il n'y a pas de photos de bonne qualité, quoi. Kiosque, peut-être. Das Multimega, yeah. Exactement. Je suis même pas sûr que le Multimega... Si, le Multimega est officiellement distribué chez nous. C'est ça qui est fou.
Il y en a eu très très peu, mais il y en a eu vraiment des Européens. D'ailleurs, les trois quarts que vous allez trouver aujourd'hui, c'est des CDX. C'est plus des multimédia. Salut Goemon, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Oh, putain, une borne XI. J'avais jamais vu. Mais attends, c'est une borne XI. Ah oui, aux États-Unis, elle est sortie, c'est vrai. Console variation collective Sega Mega CD XI Kiosk. On peut avoir les photos ou pas? Ce site est hébergé sur un Raspberry Pi 2. Waouh. Bref, imaginez une borne avec un XI, hein, évidemment. Oui, il y avait la borne Master System aussi, qui était stylée. Je crois que ça, c'est Master System, non? C'est Mega Drive, manifestement. Quoique c'est dans un magasin, je sais pas ce que c'est, du coup. Ça peut être une borne Master System, avec des jeux Mega Drive. La borne Super Nintendo était stylée aussi. La borne Super NES a été très longtemps dans mon continent, perso. Par contre, ça, c'est custom, hein. J'ai mon premier jeu Dreamcast, c'était Pen Pen. Ah. Je sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée de la Dreamcast. Hein. Console Variation a des soucis de perf victime de son succès. Console Variation, c'est très pratique pour aller voir ce genre de choses. Ce genre de truc un peu... Oh putain, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Des trucs un peu obscurs sur les versions de console, mais aussi sur les bornes et les trucs un peu dérivés. Sega Mega Drive Kiosk. Le kiosque japonais de la Mega Drive. Ah bah voilà, ça a chargé. Cette borne est magnifique. Par contre, elle m'a l'air toute petite. Genre, elle devait être posée sur un meuble, j'imagine. Elle devait être posée sur un comptoir, en fait. D'accord, donc elle a directement des composites pour l'écran. L'écran n'est que composite. Et il faut la brancher au courant contre un mur, le moniteur, un contrôleur. Les contrôleurs sont faits pour tenir sur les enceintes. Ça, c'est impressionnant les détails qui balancent sur le truc, quoi. Ils détaillent vraiment au millimètre près tout ce qu'il y a, quoi. Ah, il n'y a pas la dimension, il y a pas les dimensions par contre. Auto-lisite. Le mec, il voulait demander quelle taille elle faisait. Mais en vrai, elle est magnifique, cette borne. Je l'avais jamais vue. Bref. Hop. On revient sur... DC Mag. Donc voilà, il y a donc Micromania qui proposait la borne Dreamcast avec Sega Rally Sonic Adventure. Au début, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Je crois qu'au lancement européen, il y a moyen qu'on ait eu Soul Calibur. Je me posais la question, parce que c'est pas écrit. Mais Soul Calibur, moi, je l'ai eu en japonais. Je l'ai eu le jour où je suis arrivé à Montpellier. Le premier jour où je suis arrivé à Montpellier, je suis arrivé au centre commercial, j'ai vu le plus gros magasin de jeux d'import de la ville, qui était vraiment, il avait pignon sur rue, il était vraiment grand, et il était à côté du plus grand centre commercial du centre-ville de Montpellier, et il vendait notamment des Dreamcast japonaises, et il avait Soul Calibur, et deux semaines après mon arrivée à Montpellier, j'avais Crazy Taxi. Et c'était incroyable. C'était probablement la période la plus folle de ma vie. Alors, il y avait le déménagement qui était un peu chiant à gérer, mais il y avait ça, quoi. C'était fou. Et j'avais déjà la Dreamcast depuis un bon moment à Paris. Salut Gas, bienvenue à toi. On arrivait sur Montpellier complètement fin 99. Voire début 2000. Non, c'est fin 99, parce qu'on a passé le nouvel an 2000 à Montpellier, donc... fiche technique de la Dreamcast mise à nu. Technologiquement, la Dreamcast peut tenir tête au plus puissant PC. Les ingénieurs de Sega ont réussi à faire tenir dans cette petite boîte blanche de quoi vous faire rêver pendant très longtemps. En fait, pas très longtemps, mais voilà, le maximum, quoi. La Dreamcast représente actuellement l'état de l'art en matière... L'état de l'art. Oh putain, c'est de la mauvaise traduction. C'est state of the art en anglais, et ça se traduit pas par l'état de l'art. En matière de console de jeu, les performances de celle-ci éclipsent totalement ses concurrentes et rendent possible l'arrivée d'une nouvelle génération de jeux que vous découvrirez tout au long de ce magazine.
Depuis des années, les ingénieurs de Sega font de leur mieux pour concevoir des machines capables de distraire pendant plusieurs années un public toujours plus exigeant. Ça va pas du tout. Une tâche ardue, car une console est une machine figée qui normalement n'évolue plus dans le temps de la même manière qu'un magnétoscope ou qu'une chaîne Wi-Fi. Elle est fatalement rattrapée puis dépassée par les avancées technologiques dans des domaines aussi variés que le son, l'affichage 3D, le support de stockage, etc. Et les derniers modèles qui intègrent ces technologies finissent logiquement par remporter les faveurs des joueurs du monde entier. Pourtant, la Dreamcast est la première à pouvoir gérer ce vieillissement et faire face au futur plus sereinement que ses grandes sœurs, qu'ont été la Master System, Mega Drive et Saturn. Si aujourd'hui, elle intègre les derniers raffinements en matière de console de jeu, demain, elle devrait continuer à surprendre son monde quand Sega jugera opportun de révéler les atouts conçus en secret dès la naissance de cette machine. Oh, ça veut rien dire. C'est terrible. C'est terrible. Avant Montpellier, tu étais à Paris? Ouais, j'étais en région parisienne avant. J'aime mon premier jeu. Putain, le premier jeu Dreamcast, Pen, ça picote un peu. Contrairement à ce que l'on... Alors, une conception originale. Contrairement à ce que l'on voit d'habitude sur ce marché, la Dreamcast est constituée d'éléments déjà connus, que l'on retrouve dans des ordinateurs portables, des cartes graphiques pour PC, etc. En conséquence, cela nous amènera régulièrement à comparer cette machine à un PC. Tous deux sont fabriqués de la même manière par un assemblage de pièces qui viennent de sources différentes. La Dreamcast se révèle plus ouverte que toutes les consoles sorties jusqu'alors, parce qu'elle a Windows CE. Cette ouverture passe tout d'abord par le modem intégré d'un débit de 33,6 kilobits. Alors ça, c'est important de souligner qu'au Japon, ils ont eu des 56K, nous on a eu des 33K, et au Japon, ils ont eu des modems haut débit, entre guillemets, qui n'étaient pas des modems haut débit, mais qui étaient des cartes réseau, RJ45, toutes connes. Il y a aussi en Asia, en version Asia, la Dreamcast a eu l'absence d'un modem. On pouvait acheter la Dreamcast sans modem, et à la place, il y avait une coque avec un blindage en métal à l'intérieur qui était vide et qu'on pouvait connecter directement sur le côté de la console qui se clipsait. Qui permettra pour la première fois de jouer en réseau avec une console en passant par Internet. Amovible, il sera possible de changer facilement ce modem en cas d'évolution des technologies. Par ailleurs, le port sur lequel il est branché pourra être utilisé pour de futures extensions encore inconnues. La machine karaoké, notamment de Sega, qui est sortie au Japon. Je sais pas. Attends, c'est quoi déjà qui utilisait le port modem? Je sais pas si c'est le lecteur zip ou si c'était... C'est plutôt le lecteur zip, je crois, qui l'utilisait. Salut Babouloof! Comment il va? On apprend que la Dreamcast est peut-être évolutive. Bah elle est évolutive parce qu'elle a un port modem, tu comprends, et puis elle a un port pour mettre un câble link, quoi. Mais globalement, ça c'est de la traduction, hein. C'est de la traduction machine, hein, ce que je lis là. L'autre paramètre qui frappe... dès l'allumage de la machine, c'est la présence d'un ventilateur interne pour refroidir l'électronique. Ces deux éléments sont des premières pour une console de jeu. Le reste sont des premières pour... C'est faux. Et des consoles qui ont eu des ventilateurs bien avant la Dreamcast, quoi. Ne serait-ce que la Saturn. Le reste est simple et fonctionnel. Bouton d'ouverture du lecteur CD, bouton marche-arrêt et 4 ports manettes en façade. Le processeur principal de la Dreamcast, la puce qui coordonne tout, est un SH4 de chez Hitachi. Cette puce plutôt bon marché fonctionne à 200 MHz, ce qui peut paraître peu au moment où les PC passent la barre des 600 MHz. P3-600, je crois que c'est ça, hein. On en était au Pentium 3, 600 MHz. C'était quoi les cartes graphiques à l'époque? Les ATI 3D? C'est ça, hein. C'était la fin des 3DFX, le début des cartes autonomes qui faisaient de la 3D. Mais ce processeur est en fait un excellent rapport qualité-prix. Une Dreamcast vaut le dixième du prix d'un gros PC. Eh, 10 000 balles un PC à l'époque aussi. Hein. Enfin, 10 000 balles un très bon PC, quoi. À 200 MHz, le SH4 est environ 4 fois plus puissant qu'un Pentium 2 266, dans le domaine des calculs à virgule flottante. Or, ce type de calcul est sollicité par l'affichage des triangles qui composent tous les objets de jeux 3D actuels. Cette puissance est épaulée par 16 mégas de RAM, la mémoire dans laquelle la Dreamcast stocke ses informations. Elle stocke ses informations. À titre de comparaison, ça aurait été bien d'expliquer ce que c'était vraiment que la RAM, en fait. Parce que stocke ses informations, ça veut rien dire et tout dire à la fois, quoi. Une PlayStation dispose de 2 mégas de mémoire vive. 8 mégas de RAM vidéo supplémentaire servent uniquement à stocker les images qui vont être affichées sur l'écran. Alors, on est presque à quelque chose de technique, ça y est. On commence à vulgariser le technique. Cette mémoire est utilisée par le processeur graphique PowerVR CLX1 de Videologic NEC, chargé de calculer les images et d'appliquer les effets 3D sur les triangles que lui envoie le processeur.
Cette puce est une version légèrement modifiée et disponible depuis peu sur PC, a des capacités d'affichage largement supérieures à celles d'une télévision. Cette puce, dont une version légèrement modifiée est disponible depuis peu sur PC, a des capacités d'affichage largement supérieures à celles d'une télévision. J'ai pas lu l'article, hein. Vraiment, je l'ai pris au hasard, j'étais sûr que ça allait être sérieux. Pas de risque de voir des animations ou textures et objets disparaissent. Pas de risque de voir des animations ou textures et objets disparaissent ou sont déformés selon l'angle de la caméra. Oui, ça veut dire qu'il y a du Z-buffer et de la correction de perspective. De plus, ces capacités seront exploitées à fond sur Dreamcast, alors que sur PC, la sacro-sainte compatibilité avec les autres modèles, oui, ça c'est presque vrai quand même, avec les autres modèles du marché, nivelle par le bas les performances de toutes les cartes 3D. On est à deux doigts des discussions de cours de récré. Je sais pas si vous aviez ces discussions de cours de récré, vous, mais les gens qui disaient « Oui, puis le PC, de toute façon, il a Windows à faire tourner, ça lui prend 50% de tes capacités. » Ça me faisait rire, du coup. Ça commençait par « La Dreamcast est aussi puissante qu'un gros PC », a continué par « En fait, non. Mais ramène au prix, hein. Oui, mais non. Mais oui. » Ça n'a aucun sens. Jean-Michel, à peu près, c'est ça. La Dreamcast affiche au-delà de ton écran de télé. Le karaoké se branchait bien sur le port modem, d'accord. Et le modem se branchait ensuite sur l'extension karaoké. C'est marrant, ça. J'ai jamais vu à quoi ça ressemblait, le branchement du truc karaoké, quoi. Le lecteur zip, ça m'étonne pas que ça se branchait dessus. Mais le karaoké, je vois pas ce qu'il va chercher là-dedans. Je vois pas ce qui passe dans le port modem, en fait. Tout passe dans le port modem. Est-ce que c'est une extension comparable au Mega CD où ils font passer tous les pins de la console? Parce que c'est ce que fait le Mega CD. Parce que tous les pins, tout le buste de la console, quoi. Un coup d'œil sur Virtua Fighter 3 TB, Power Stone ou le futur Soul Calibur suffit pour se convaincre des qualités techniques de la Dreamcast. Côté sonore, c'est Yamaha qui fournit un processeur nommé AICA. Cette petite bête peut gérer 64 canaux de musique en simultané et y ajouter des effets de réverbération et 3D si vous disposez d'un système audio adéquat. Les échantillons... D'ailleurs, il n'y avait pas de prise pour brancher un système audio adéquat sur Dreamcast. Il n'y avait que de la stéréo. Mais bon, la stéréo... Je crois qu'il y avait le Dolby pas si prologique, je crois que ça utilisait que la stéréo pour faire sa popote. Les échantillons sonores sont stockés dans 2 mégas de RAM dédiés, de quoi donner aux musiciens la possibilité de faire d'excellentes mélodies sans utiliser le support CD. Enfin, CD, pas vraiment. La Dreamcast est équipée d'un nouveau format, le GD-ROM, également fourni par Yamaha. Salut Tom Vokova! C'était une chaise supérieure à une TV. Je crois qu'il cause de 480p. Ouais. Mais non, parce qu'après, il dit un truc qui est sans rapport. Il dit capacité supérieure à la télévision. Du coup, vous n'aurez pas de texture tordue. Ça aurait été bien que ça soit ça, mais je pense que c'est même pas ça. Je pense qu'il parle même pas de résolution, en fait. Eh bien, bienvenue à toi. Bienvenue, Tom. J'espère que tu vas bien. Et que tu as passé un bon week-end. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end, d'ailleurs. Des nouvelles chansons. Le karaoké? Je sais pas. La stéréo, c'est adéquat. Exactement. Le GD-ROM, également fourni par Yamaha. Ce format à mi-chemin entre le DVD et le CD-ROM permet de stocker jusqu'à 1 gigaoctet d'informations par disque, pratiquement le double par rapport à un CD. C'est faux. C'est faux. Il y avait des CD-ROM, des CDR, qui stockaient 900 mégas pendant la vie de la Dreamcast, et avant la vie de la Dreamcast, les CDR en overburn allaient au-delà des 700 mégas. C'est complètement faux de dire que c'est pratiquement le pratiquement est sacrément large, quoi. Physiquement, le GD-ROM ressemble comme deux gouttes d'eau à un CD classique, pas vraiment. Enfin, physiquement si, mais quand tu regardes l'arrière d'un GD-ROM, tu vois tout de suite que c'est un GD-ROM. Il y a vraiment deux pistes différentes avec un code barre sur le bord et sur l'intérieur du disque. C'est très Ça fait très futuriste, le GD-ROM, quand tu le regardes vraiment. Moi, j'aimais bien ça. Le GD-ROM ressemble comme deux gouttes d'eau à un CD classique, mais ne souffrira pas des mêmes problèmes de piratage que son grand frère. La machine vous permettra néanmoins de lire les CD audio. C'est marrant parce qu'il parle du piratage et des CD audio,
Alors, c'est pas les CD audio qui ont fait que la Dreamcast s'est fait pirater par tous les trous, c'est un format chelou qui permettait de faire des CD multimédia à moindre coût. Je sais plus comment ça s'appelle, mais les premières Dreamcast permettaient la lecture des CD audio et la lecture des CD MV quelque chose, MVI, je sais pas si c'est pas ça, un truc comme ça, qui permettait notamment bah, de dire en langage MVI, en gros, en langage multimédia CD-ROM, de dire. Ok, alors à partir de maintenant, je veux accéder à la Dreamcast et je veux lancer ce jeu-là qui est sur le disque. Et la Dreamcast, elle disait « D'accord !» Et puis elle lançait le jeu. Le piratage était vraiment très compliqué. Bon, c'est un petit peu vulgarisé, mais c'est à peu près ça, quoi. Ça fait un peu peur, quand même. Et salut MetaBDO, comment tu vas? Bienvenue à toi. Passe un week-end. Petit détail amusant, la Dreamcast dispose d'un système de refroidissement liquide interne. Les premières versions japonaises... Alors, c'est pas un système liquide... Un système proche de ce qu'a fait Microsoft avec la Xbox One X et avec la Series S et X. C'est une sorte de système de vapor chamber. Vous savez, le radiateur était creux et à l'intérieur du radiateur, vous aviez un liquide qui permettait de faire circuler la chaleur plus rapidement à l'intérieur. Et la Dreamcast japonaise avait ce système-là. Elle avait toujours le ventilateur à l'extérieur. Elle avait toujours, elle évacuait toujours de l'air bruyamment. Sauf que son radiateur était plus épais que le radiateur européen. Et ça permettait notamment avec des caléoducs de mieux évacuer la chaleur, en théorie. Maintenant, je sais que tout le monde dit que c'était incroyable, mais je ne sais pas si c'est vraiment incroyable, quoi. Autrement dit, il y a de l'eau dans votre console. Pas sur les modèles européens. Les deux processeurs principaux, SH4 et CLX1, dégagent en effet trop de chaleur en utilisation intensive pour être intégrés dans une telle machine sans un dispositif capable de faire baisser leur température. Afin d'éviter les énormes radiateurs et ventilateurs, il y a un énorme radiateur dans la Dreamcast, et ventilateur, il y a un tout petit ventilateur chargé de dissiper cette chaleur dans les PC actuels, les ingénieurs de chez Sega ont imaginé un dispositif petit et silencieux. Je ne crois pas, non ? Qui règle ce problème, de quoi jouer sans avoir les oreilles qui bourdonnent à cause d'une machine bruyante. Côté logiciel, le logo Windows CE sur l'avant de la console est là pour rappeler que les développeurs de jeux peuvent faire appel à ce système d'exploitation de chez Microsoft pour programmer leurs titres. Dans ce cas, un logo similaire apparaît sur l'écran de démarrage du jeu. Dans le cas contraire, cela veut dire que les développeurs ont tiré parti de Sega OS, mis au point par Sega pour exploiter au maximum le hardware de la Dreamcast. Ah, ils se sont pas trop étalés sur Windows CE, c'est bien. Ça leur a évité de dire des conneries. Ils ont bon sur Windows CE, oui, mais franchement, je pense que s'ils avaient développé un peu... Je pense que là, tu vas voir le mec qui a écrit l'article. Tu lui dis, ah ouais? Tu peux détailler sur Windows CE? Ouais, il va sauter dans la merde, hein. Moi je pense. Hein. Imaginez si elle avait été bruyante. C'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit quand il dit, allez bro, t'imaginais si vos oreilles étaient bourdonnaient pendant que vous jouiez? Ça aurait été insupportable. Aïe, aïe, aïe. Processeur, donc Hitachi SH7750, famille SH4, 7750, 200 MHz, délivrant 360 MIPS, c'est important, 1,4 gigaflop, imaginez, maintenant on est au teraflop, c'est très important hein, les flops, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous amuser sur un jeu qui n'a pas assez de teraflop, ça c'est vraiment important, c'est le truc le plus important que vous devez voir sur un jeu vidéo actuellement et sur une console, avant de l'acheter, c'est les teraflops, voilà. Si vous avez trop peu de teraflop, ça va être nul. Vous allez pas vous amuser, en fait. La mémoire, 16 mégas de RAM centrale, 8 mégas de RAM vidéo, 2 mégas de RAM sonore. Incroyable. Processeur graphique, voilà, NEC PowerVR CLX1, on n'a pas trop d'infos. Processeur sonore Yamaha AICA, permettant jusqu'à 64 pistes audio en même temps. Support de stockage, GD-ROM et Gigabyte Disk, GD-ROM. 1 giga de données maximum, lecture 12x. Un 12x, ça me paraît beaucoup. Extension incluse, modem upgradable. Système d'exploitation Windows CE ou librairie Shinobi Sega OS. On va dire qu'ils ont raison. Combien de teraflops la SNES? Sans teraflops, le jeu fait un flop. Exactement, c'est de là que ça vient d'ailleurs. C'est exactement ça. Alors, la Dreamcast Online. Donc voilà à quoi ressemblait Dream Arena. Propulsé par DreamKey 1.0, établir la connexion. Quand vous lanciez le CD qui était fourni avec Dream Arena, vous aviez le CD de démo et Dream Arena, c'était en fait DreamKey, le CD s'appelait DreamKey, et ça lançait Dream Arena qui est le browser
qui utilisait chez nous British Telecom. Vous pouviez utiliser votre provider internet, bien sûr, mais avec la console, vous aviez un abonnement British Telecom. Sur le même modèle que les trucs AOL, hein, je crois. Je crois que tout le monde s'était mis un peu à l'illimité. Plus besoin d'un PC à une brique pour surfer sur le net ou connaître les joies du jeu en réseau. La Dreamcast se propose de vous offrir un accès à internet gratuit, rien de moins, sur votre bonne vieille télévision. C'est un peu comme si votre salon s'ouvrait brusquement sur le monde. Et ouais, il était nul votre salon avant. Quel enfer cet article, putain. La Dreamcast est en passe de révolutionner le monde de la console. Grâce à son modem intégré et à la durée de vie la plus faible d'une console Sega, vous offrant gratuitement l'accès à Internet. Oui, vous avez bien lu. En plus de la console la plus puissante au monde, pendant un an, vous aurez accès à Internet gratuitement. Et ce n'est pas tout. Enfin, en utilisant votre abonnement, quoi. Et ce n'est pas tout. Cette connexion débouchera à terme sur la possibilité de jouer à vos jeux préférés en réseau. Tout cela sur votre télé et gratuitement, on l'a déjà dit. En attendant de pouvoir affronter les joueurs du monde entier, dressons un tableau des possibilités qui s'offrent dès à présent aux heureux possesseurs de Dreamcast. Pour une brève présentation d'Internet, si vous avez vraiment tout loupé de la révolution électronique, reportez-vous au premier article d'une longue série d'initiation à Internet, page 110. Initiation à Internet, ça s'adressait à Josiane, 37 ans, quoi. Bouclez vos ceintures et préparez-vous. Vous ne serez plus jamais seul face à votre console. C'est tout pixelisé, hein. C'est en mode rétro gaming aussi, l'article. Hein. C'est gratuit si vous payez ça. Alors que maintenant, les PC ne valent plus rien et les consoles, une bonne grosse brique. Oui, c'est marrant, ça s'inverse, tiens. Enfin, ça s'inverse. Plus puissant du monde, jusqu'à 6 milliards de joueurs et pendant un an. C'est-à-dire qu'après, il y a la PS... Bon, est-ce que la PS2 était plus puissante que la Dreamcast? C'est... Quand on voyait les jeux qui sortaient dessus, c'était compliqué, quoi. C'est compliqué au début, même si c'est vrai, l'architecture de la PS2 est bien plus puissante que celui de la Dreamcast. Si vous l'utilisez bien, en tout cas, ça vous permet d'avoir des meilleurs résultats à l'écran. En termes de teraflop, on demandera aux professionnels quand même de nous aider pour savoir si la machine vaut la peine d'être jouée. C'est important. On n'a pas eu le temps de savoir si la PS2 était plus puissante, la Dreamcast était morte avant qu'on la pousse. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de jeux qui ont vraiment poussé la Dreamcast, peut-être Shenmue 2. Encore que Shenmue 2, c'est vraiment pas du tout optimisé. Hein. Si vous voulez un jeu optimisé sur Dreamcast, ne jouez pas à Shenmue 2. Shenmue 2, il chargeait des chunks, des parties de monde immenses, immenses, en simultané. Il y avait zéro optimisation, et d'ailleurs le jeu ramait à mort sur Dreamcast. Je pense réellement qu'il y avait mieux à faire dans Shenmue 2 que ce qu'ils ont fait comme système de chargement, déchargement, chargement, déchargement, et qui chargeait des parties vraiment très très grosses à chaque fois, quoi. Je pense réellement qu'il y a eu un vrai souci de petit sur Shenmue 2. Si Internet peut sembler obscur à bon nombre d'entre vous, c'est que le super réseau nécessite souvent de solides compétences en informatique pour être accessible. Sega, conscient de ce délicat problème, a tout fait pour rendre la chose aussi simple que possible, et de fait, il vous suffit d'insérer le CD DreamKey fourni avec la console, de relier cette dernière au téléphone, vous voilà prêt à vous lancer dans l'aventure. Pas de démarche complexe, d'abonnement, pas de tarifs prohibitifs. Le seul coût que vous avez à assumer est celui d'une communication locale. Mais t'avais dit que ce serait gratuit. Ben, je veux dire, quand tu dis gratuit, il y a un coût là, en fait. Plus besoin d'un PC à une brique, ça j'ai déjà lu. Ça on l'a déjà dit. En fait, où que vous soyez en France, un serveur Sega constitué en partenariat avec British Telecom prend en charge votre connexion au même prix qu'un appel téléphonique normal sur votre région. Des lignes à haut débit, spécialement dédié à la Dreamcast, vous assure une connexion rapide et fiable, de façon totalement transparente. Pour couronner le tout, l'intégralité de l'interface a été traduite en français, et un clavier AZERTY est déjà disponible pour vous permettre d'envoyer des emails confortablement. Un clavier virtuel à l'écran remplace le bon vieux modèle mécanique pour ceux qui ne veulent pas investir, et le paddle sert alors de souris pour cliquer tous azimuts. On peut difficilement faire plus simple pour faciliter la vie du néophyte. Ah oui, il y avait vraiment une interface pour recevoir ses mails sur Dream Arena avec le mec de la pub, le coiffeur de la pub. C'est assez marrant, ça. Avec Yahoo France. Oh là là.
Il n'y a pas les actualités, c'est dommage, ça aurait été rigolo. Une pléthore de services. À moins d'avoir passé les 3 dernières années enfermées dans une grotte du Larzac, vous devriez avoir une idée des fonctionnalités de base d'Internet parfaitement supportées par la Dreamcast. L'accès au web et le mail. La Dreamcast vous permet de créer 5 accès personnalisés histoire que tout le monde puisse en profiter à la maison. Chaque utilisateur de la console a ainsi sa propre adresse électronique pour envoyer et recevoir des courriers électroniques en toute tranquillité. Libre à vous en plus de profiter des nombreux services offerts par le portail Sega. Discussion en direct avec les autres connectés. Enfin, j'aurais trop aimé vivre ça, quoi. News sur les jeux sortis ou à venir, astuces en tout genre. À terme, vous pourrez même faire vos emplettes sur Internet avec votre carte de crédit, puisque l'interface intégrera un moyen de paiement sécurisé. À l'heure actuelle, le site de Sega ne propose pas encore cette option, mais vous pourrez bientôt vous offrir les derniers jeux qui cartonnent ou le périphérique de vos rêves sans même avoir à sortir de chez vous. C'est-à-dire que le réseau envoie dans la RAM le jeu. Il n'y a pas de stockage mort. Comment on fait? Le début des téléconnectés. Le début des comment ça s'appelait? Ah, les... vous savez, les PC connectés à la télé en mode FamilyNet. Les FamilyNet, ça s'appelait, je crois. Est-ce qu'on a des photos des FamilyNet? Moi, je me souviens du téléachat qui montrait ça. FamilyNet, Internet, Docs. On va peut-être pas retrouver une image d'une FamilyNet, mais j'aurais bien aimé en voir une. Les FamilyNet, c'était clairement des PC déguisés avec des claviers sans fil et tout. Je pense qu'il parle d'acheter un jeu physique et qu'il te l'envoie. Ah, tu veux dire acheter à distance ? Set-top box, ça s'appelait comme ça? Aux États-Unis aussi, ils en ont eu, mais... C'était pas une télécommande qu'il y avait dessus, c'était un gros clavier sans fil dégueulasse, là. Tout noir. Est-ce que FamilyNet... Ça donne sur quoi? Salut Papa Les Bonbons! Comment tu vas? Ah, je trouverai pas. Si vous avez un lien vers une FamilyNet, juste pour le fun, c'était incroyable, hein, le look de ce truc. Sortir. Quand même avoir à sortir de chez vous, t'as raison, Delenia, ça doit être ça. Ça doit être l'achat de jeu et il te l'envoie par la poste, effectivement. Parce que du coup, oui, effectivement, le téléchargement sur la console, c'est compliqué. À la pointe de la technologie. Donc bienvenue Bubble Bobble, c'est à tous ceux qui viennent d'arriver, peut-être qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Sachez qu'on est sur la découverte un peu du premier article de Dreamcast Magazine qui parlait de la Dreamcast mise à nu, et on est en train de regarder un peu les premières pages de cet article qui parle de l'avancée technologique, et c'est un article extrêmement mal écrit puisque traduit de la version anglaise du magazine, je pense. Il y a plein de coquilles et de trucs un peu approximatifs pour dire que la Dreamcast est la meilleure console de la Terre. C'est assez drôle, parce qu'il y a pas mal de raccourcis, quoi. Navigateur Internet fourni avec la console est un véritable bijou de technologie. La première difficulté venait de la résolution de la télé, qui est plus faible que celle d'un écran d'ordinateur. Qu'à cela ne tienne, les ingénieurs de Sega, non ? Grâce à un astucieux système de conversion, le système proposé par Sega est capable d'afficher n'importe quelle image du net sur votre bonne vieille télé. De même, les derniers gadgets à la mode sur le web sont supportés, animations au format flash, vidéo, etc. Au chapitre des fonctionnalités plus classiques, vous pouvez également sauvegarder sur le serveur de Sega vos adresses internet favorites. Il y avait des favoris. Et le CD Dreamkey contient moult données pour accélérer votre accès au portail Sega. Je me demande si ça faisait une sauvegarde sur le VMU et que ça sauvegardait les données là, les signets. Comment on appelait ça à l'époque. Il y a du bullshit, oui, c'est très drôle. Le jeu en réseau, c'est pour bientôt. C'est pour le moment... Si pour le moment, aucun jeu ne supporte l'option réseau, l'infrastructure est déjà en place. Mieux encore, l'utilisation de l'environnement Windows CE devrait simplifier considérablement le portage de jeux en provenance du PC, ce qui permettrait de jouer sur Internet avec l'immense public des possesseurs de PC
En Europe, on murmure déjà que l'excellent jeu de rôle Baldur's Gate serait au programme, mais chut, on ne vous a rien dit. Ce qui reste sûr, c'est que Sega mise énormément sur le jeu en réseau, et il y a gros à parier que dans les mois à venir, de nombreux jeux intégreront cette option. Pardon. Vous pourrez ainsi choisir vos adversaires au niveau européen, national ou même local, en fonction de votre humeur du moment. Rien de plus relaxant que de remplir de plomb un voisin ou de mettre 30 secondes dans les dents sur un jeu de course à un anglais qu'on ne reverra jamais. Ou d'affronter les gars de la rédac de Dreamcast Magazine, qui sait. Encore quelques mois de patience et vous devriez ne plus jamais lâcher le paddle. En attendant, des dizaines de millions de pages web sur tous les sujets imaginables vous attendent. Bienvenue dans le futur. C'est vrai qu'à cette époque de l'internet, je pense que tous les sujets imaginables existaient. Sega veille au grain. Ce n'est un secret pour personne, internet est plein de bonnes choses, mais également de sites au contenu douteux. Je vous en parlais il y a 3 secondes. Voire franchement destiné aux adultes. Sega a donc décidé d'intégrer tout un arsenal de protection pour éviter les débordements. Du côté de la console, l'utilisateur principal pourra décider d'interdire l'accès à certains sites, on vous laisse imaginer, voire de tout bonnement bloquer l'accès à Internet. On évitera ainsi que le petit dernier découvre les charmes de Pamela Anderson. Waouh, la ref! Pamela Anderson en 99, remarque peut-être. Possible. Dans leur intégralité, ou que votre note de téléphone dépasse en 3 jours ce que vous dépensiez habituellement en 6 mois. Pareillement, les forums de discussion seront surveillés en permanence afin d'éviter que ceci ne se transforme en un gigantesque cloaque. Tout contrevenant se verra expulsé illico, Mathias, par les Cerbères de Sega. Le public attendu étant majoritairement plus jeune que sur PC, un tel luxe de précaution ne paraît pas inutile. Le Famicom Network System, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, effectivement, on pouvait se connecter à Internet avec le Famicom Network System. Bah, Samisen, ici présent, le connaît très bien, d'ailleurs. On pouvait aussi, avec le Sega Modem, hein, sur la Mega Drive, se connecter à Internet et télécharger même des jeux. Télécharger Flicky, par exemple, qui était une exclusivité Sega Online. C'est assez incroyable. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube. Si vous tapez Sega Game Pass, j'ai fait une vidéo sur ça. Là, regardez. Ah, c'est de tête. Je crois que j'ai jamais passé autant de temps sur Photoshop pour faire la vignette de toute ma vie, je crois. Voilà, dans cette vidéo, je parle du Sega Modem. C'est toujours intéressant. Et je vois que je suis numéro 1 des résultats. Ah, mais Sega Game Pass, c'est normal que je sois numéro 1. Bref. Oh là là, il y a des accessoires, attendez. Oh là là, le pistolet, plus le jeu House of the Dead. Monsieur Delahousse, of the Dead. La Dreamcast n'arrive pas seule, toute une batterie de périphériques lui est dédiée pour en exploiter les capacités au maximum. Voici une présentation de ceux qui seront disponibles en France en un coup. Et un coup d'œil sur les autres, histoire d'être bien informé. Incroyable. Les accessoires. Aruno numéro uno, everywhere. Ah, fini OnlyFan, exactement. Pistolet Dreamcast plus jeu House of the Dead 2, complément idéal du jeu de tir House of the Dead 2, disponible courant octobre et testé dans ce numéro. Le pistolet Dulimcast Dreamcast dispose d'une excellente prise en main. Par contre, regardez, ça, est-ce que c'est considéré par la douane comme un pistolet ? À partir de quand, en fait, ça devient un pistolet ? Ce gars avait pas piqué un brevet de 2 français pour le Golden Cast, je sais pas du tout, tiens. Mais si t'as l'info, je suis très curieux. Quand ça tue des vrais gens. Ah! Bah normalement ça devrait pas tuer des vrais gens, ça. Je vois pas comment ils peuvent se dire ça pourrait tuer des vrais gens, ça. J'ai presque envie de tenter l'aventure, hein. Franchement. Arcade Stick! Ce joystick risque de se révéler indispensable pour la majorité des jeux de combat qui prennent une autre dimension grâce à lui. Très solide, vous ne risquez pas de le détruire en tentant de sortir un enchaînement difficile dans Virtua Fighter 3 TD, comme Team Battle, par exemple. Moins de 400 francs. Le clavier. Lancé en octobre, le clavier sera un accessoire incontournable si vous utilisez la Dreamcast intensivement pour Internet. Taper un courrier électronique au joypad n'est pas super pratique. Moins de 250 francs. Je l'ai, mon clavier Dreamcast, je suis content.
le joypad, incroyable. Et avec la Dreamcast, le paddle de base intègre deux modes de direction. Un analogique et un autre numérique, comme c'était le cas sur la manette sortie avec la Saturn à l'époque du jeu Knight. C'est dommage hein, pour un truc officiel Dreamcast de se gourer sur le nom d'un jeu Saturn, quoi. Il y a un S, c'est Knight. Et le VM, cette petite machine sert en fait de carte mémoire au jeu Dreamcast. On y stocke ses meilleurs scores, le réglage de sa voiture dans les jeux de course, etc. Mais grâce à son écran à cristaux liquides et à son petit processeur 8 bits, il est possible d'avoir des petits jeux à l'intérieur. Dans Sonic par exemple, il est possible de récupérer des œufs qui seront téléchargés dans votre VM, les créatures naîtront et seront alors élevées par vous, où que vous soyez. L'écran est de 48 par 32 et la machine dispose de 128 kg. Le volant s'avérera indispensable pour les pilotes virtuels les plus exigeants. Il sera lui aussi disponible dès la sortie de la console. Le volant est moche, lourd, désagréable. Il n'y a pas de retour de force. Il est ultra cheap. Je le déteste. La Saturn avait fait un truc original dans la forme, ce qui le rendait un peu attachant. Mais le volant Dreamcast, il n'a rien pour lui, je trouve. Ouais, le volant de la Saturn est plus cool. Je suis d'accord avec ça. Pistolet à colle, comme ça doivent passer. Mais c'est vrai que ça, un pistolet à colle, ça passe. Un pistolet à colle chaude. Je l'avais jamais trouvé, ce pistolet. En français, tu l'as jamais trouvé? Tous les magasins le faisaient, hein, quand ça tue des vrais gens. Le métal. Bah non, parce que les, par exemple, les guns Saturn, je sais qu'ils sont arrêtés à la douane. Vibration pack, également mis en vente en même temps que la Dreamcast, ce qui te permet de ressentir physiquement les actions présentes à l'écran grâce à des vibrations. Incontournable une fois qu'on y a goûté. Et là, c'est les oubliés du marché français. Deux périphériques disponibles au Japon ne seront pas adaptés pour le moment au marché français. La VGA Box, c'est bien dommage, il y en avait plein des non-officiels quand même, pourrait pourtant être très utile à certains. Ce périphérique permet de brancher une Dreamcast sur un moniteur VGA PC. On obtient alors une image d'une qualité parfaite grâce à l'affichage beaucoup plus fin dont disposent ces écrans. L'autre produit est plus anecdotique, il s'agit d'une canne à pêche virtuelle. Celle-ci est utilisée dans les jeux de pêche, dont les Japonais sont friands. Dames du Zodiac, encore lui, m'a fourni donc aussi dans les pages, vous savez, de ce fameux... On va peut-être revenir vite fait sur ce livret, maintenant qu'il y a peut-être plus de monde, mais voilà à peu près l'état du marché quand la Dreamcast arrive en France. 1690 francs prix de lancement, avec une manette seulement. Je crois pas qu'il y ait de VMU. Sur la photo, il y en a un, mais il n'y en a pas dans la vraie vie. Hein. Il y a juste une manette analogique, et c'est tout. La PlayStation valait 790 francs à côté. Donc elle valait un peu moins de la moitié. La Saturn n'était plus vendue neuve, était déjà morte. Et la 64 valait encore moins que la PlayStation. Pour vous donner une idée, soit 385 euros. Ah, c'est intéressant, 385 euros. Il faut savoir que la plus grosse agressivité de l'histoire, quand même, je pense, c'est la sortie de la 64, puisqu'elle est sortie à un prix équivalent 200 euros, si j'ai bien compris. C'est vraiment, vraiment pas cher. Pas dans tes boutiques d'époque, d'accord. Je crois que le volant officiel a le mérite de rendre Daytona 2001 presque jouable. Daytona 2001, je le trouve mauvais. Graphiquement, je trouve que rien ne va dans Daytona 2001. J'ai jamais aimé ce jeu. Pour moi, il n'y a que le premier Daytona qui vaut quelque chose. Malgré tout, il est pas excellent, mais il vaut quelque chose sur Saturn. Et je trouve que la révision Super Circuit sur Saturn n'est pas ouf. Et le Daytona 2001 sur Dreamcast, c'est pas Daytona, quoi. Mais bon. La 64, il me semble qu'elle était sortie dans l'équivalent de 200 euros, ce qui était très très bas. Et donc Dams, de ce livret, m'a fait aussi les pages où il y a les jeux. Les incontournables sont tous là, ou presque. On a Soul Calibur. Nomad Soul en japonais, cette fois très 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 marrant, si je le trouve. Je sais même pas s'il existe. Il s'appellera sûrement Omicron. Dead or Alive 2, ça m'intéresserait de l'avoir. Zombie Revenge, vous savez qu'on l'a déjà fait ici il y a pas longtemps. École Dauphin, non. On aurait quoi? Sega Rally 2, Sonic Adventure, ça fait partie des classiques. Code Veronica, Resident Evil 2, c'est les deux Resident Evil que j'aimerais avoir.
pas le 3, parce que je sais qu'il est cher et qu'en plus il m'intéresse moins. Time Stalker, je l'ai déjà. Climax Lenders en japonais, je l'ai déjà. Et voilà. Ça nous fait déjà une petite liste. Crazy Taxi, évidemment, ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais ce stream. C'est que j'ai toujours pas Crazy Taxi. À 40 ans sur ta Dreamcast, t'as pas Crazy Taxi, je pense que t'as raté ta vie. Pour ce faire, nous allons ouvrir les hostilités. En activant la récompense, tu peux chercher ça, qui est désormais active sur la chaîne. Vous pouvez donc me demander de chercher ce que vous voulez sur Bailly. Je vais lancer l'instant Bailly. Qui se lance pas. Qui se lance pas. La vidéo va déconner. Elle va se lancer, mais elle va bugger. What are you buying, s'il vous plaît? What are you buying? Ça a très bien marché du premier coup, vous avez vu? Incroyable. On se retrouve donc sur Bailly. Ce soir, on va évidemment privilégier Mercari. J'ai envie de spammer trois fois le truc, quoi. Je me sens vide, du coup. Tu te sens vide? Tu l'as pas, Crazy Taxi? Mesdames, messieurs, Delenia n'a pas Crazy Taxi sur Dreamcast. Non, je dirais pas que t'as raté ta vie, mais peut-être que t'es pas très fan de Sega, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Ça me gêne. En fait, ça me gêne pas pour moi, mais ça me gêne pour toi. Parce que ne pas être fan de Sega, c'est quand même quelque chose. Ça va te pointer du doigt ou bien le réconforter. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Bon, la PS5 Pro quand même. Les gens pensent qu'ils veulent de leur argent, mais. Alors, la Dreamcast, c'est simple, ça s'écrit comme ça. De l'Imucasto. Je vous l'envoie, comme ça vous le voyez. On va donc faire Dreamcast en un premier temps juste sur Mercari. Comme ça, à la croque au sel, comme on dit. Et on va voir ce qu'on trouve, sur quoi on tombe. Et après on cherchera des lots, on va affiner les recherches pour voir un peu les jeux qui nous intéressent. On a déjà un lot à 149€ ici avec le pistolet, le petit clavier que j'ai déjà malheureusement, et le Virtualon. Alors c'est très intéressant ce bundle. On va pas l'acheter nous, mais c'est intéressant de le montrer parce que ça fait partie des nombreux bundles qu'on va trouver sur... Ah, nous sommes pas en mesure de donner suite à cette commande. Elle a été reviewée à la mano, je pense. Ouais, je pense qu'on peut pas... Ils peuvent pas l'acheter à cause du gun. Encore une fois. Putain, c'est chiant. Ça. Parce que vous voyez que le... Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Bailly peut ne pas pouvoir acheter quelque chose et on tombe dessus dès le début, c'est très bien. Ça permet de le voir tout de suite. D'ailleurs, il y a marqué pistolet dans l'annonce. Je pense que c'est ça le problème aussi. Bailly ne peut pas importer des armes. Parce qu'arrivé à la douane, les douaniers, parfois, ils détruisent ce genre de colis. Puisqu'ils pensent que c'est des vraies armes. Du coup, c'est le trafic d'armes, et donc c'est illégal. Et donc, ils se retournent contre Bailly, ils détruisent le colis, tout ça. Donc, ils préfèrent les bloquer avant l'achat. Soit ça peut être aussi que l'utilisateur sur Mercari, quand il a créé son compte, il a dit « Je refuse les proxys, je refuse que des entreprises qui proposent des services de proxy, c'est-à-dire d'achat au Japon pour envoyer en France, par exemple, achètent mes objets. » Ou, et c'est assez souvent le cas en vrai, c'est la réputation de l'acheteur quand, par exemple, il a très peu de ventes et qu'il a un fort ratio de ventes négatives, d'avis négatifs. Vous le voyez ici avec les petits smileys, là, c'est pas le cas. Là, c'est clairement le pistolet, je pense, qu'il nous met dedans. Et vous voyez que ce pack était très intéressant, malgré tout. C'est très dommage. Oh là là, le pack était parfait, quoi. C'était exactement tout ce que je voulais. Il y avait F355 Challenge, donc ça fait partie des jeux. Je vais le rajouter à la liste, tiens. Je vais me faire une liste. Je vais me faire une liste, parce qu'il faut pas que j'oublie F355. Crazy Taxi, partie des jeux obligatoires. On avait quoi d'autre? On avait... J'ai acheté House of the Dead 2 peut-être, mais sans le gun, c'est un peu triste. Et là, il y a vraiment beaucoup de jeux qui cochent bien les cases, quoi. Il n'y a pas Monaco Grand Prix. Ah, c'est pas Monaco Grand Prix, c'est Racing, le jeu de Formule 1, qui est médiocre, mais qui est d'une médiocrité, ce jeu-là. Oh, je sais pas si vous l'avez fait, mais qu'est-ce qu'il est nul, ce jeu. Ce jeu de Formule 1. Vous voyez mon curseur? Ouais. Ce jeu de Formule 1, là, c'est terrible. Il faudrait que je les réessaye, ces jeux, quand même, pour en avoir le cœur net. Mais quand j'avais joué étant petit, c'était nul. Il y a Speed Devils, tiens. Speed Devils, c'est pas un jeu français.
Il me semble que c'était un jeu français, Speed Devils. C'est pas un jeu Cryo ou un truc comme ça. Je crois qu'il y avait deux jeux Cryo. Il y avait Incoming, qui était sorti en même temps que la Dreamcast, et Speed Devils, si je ne me gourre pas. Montréal, Ubisoft Montréal. Speed Devils, c'est Ubisoft Montréal ? D'accord. Bon, j'ai noté du coup les jeux que j'ai vus dans ce tas-là qui m'intéressent. Ça fait pas tant de jeux que ça, mais ce qui est très intéressant, c'était la manette Virtual On, parce qu'elle est assez originale, elle prend beaucoup de place, malheureusement. Et il y a le code Veronica aussi, qui est en très bon état. Ah, il est pas en excellent état. Mais c'est du plastique, ça? C'est pas du carton? Le fourreau de code Vero, il est en plastique. Moi, je crois que c'est du carton, tout bête, mais ok. Bref, premier bundle, bon... Malheureusement, le pistolet est dedans, on peut pas l'avoir du coup. On a des CD de démo ici, c'est assez intéressant aussi ça. Pas les CD de démo, il y a des CD de démo, il y a aussi des CD Not For Sale qui ressemblent à ça. Des Dreamcast Express, voilà. Ça c'est des démos, il y a que des démos, il y a que des Dreamcast Express. Et dedans vous avez des morceaux de jeux avec la liste des jeux à chaque fois, ici. Donc vous aviez des pubs en vidéo et aussi des démos à jouer. Là, il y a une belle compile, hein. 111 euros, putain, ça revient cher. Je pense qu'on va s'en passer. Speed Devil égale Speed Busters, excellent jeu de course type arcade, d'accord. Plastique hyper fragile, ok. D'accord, c'est du plastique. Et apparemment, ça tient pas le coup, ça c'est vraiment triste. Là, c'est marrant, cette manette Open Music, elle a deux boutons. Contrairement à celle que moi j'avais, qui avait que Start, là il y a deux boutons. Vous vous souvenez de l'histoire du bouton Start que j'ai perdu et que je l'ai vendu comme ça? Je l'ai vendu avec le bouton Start absent de la... Enfin, il était pas absent, mais la membrane était absente. Du coup, j'avais remis le bouton Start dans la coque. Ah, mais c'est une manette PlayStation, en plus. Pourquoi ils ont mis Dreamcast, ces bâtards? Pop une musique Dreamcast. PlayStation. Le mec, il vient de chez Dreamcast Magazine. Non, il vient de chez Score Games, pardon. Sur Score Games, ils ont mis Mega Drive 1, Mega Drive 2 au même endroit, là, tout à l'heure. Alors, un tout petit bundle de jeux qui est très très cher. Alors, pourquoi il est si cher, ce pack de jeux, hein? On a 6 jeux Dreamcast, donc Godzilla, Soul Calibur, Code Vero, VF3TB. C'est peut-être ce jeu-là qui est cher, alors. Parce que je vois pas comment ça peut coûter 95 euros, ça. Quelqu'un sait ce que c'est, ce jeu? Samizane, je suis sûr qu'il sait. On dirait un jeu récent, en fait. On dirait un jeu sorti après la mort de la Dream. Un petit peu à la Under Defeat. Ou... Under Defeat, c'était pendant la vie de la Dreamcast, mais il y a eu des jeux qui sont sortis très tardivement. Enfin, j'essaie Speed Devils. Parce que je l'ai vu longtemps, ce jeu, je l'ai jamais essayé. Je pense que ça, c'est un jeu qui est sorti très tard dans la vie de la console, il doit être très cher. Du coup, ça fait que tout le pack, il a pris, il prend cher. Vous voyez que Code Vero tout seul vaut 22 euros. Soul Calibur, 15 euros. Qu'est-ce qui s'est passé avec Soul Calibur? Il est devenu cher. Oh, un Sakola Taisen 2. Non, Sakola Taisen 1, pardon. 62 euros, mais sous blister, en neuf. Il y a encore des jeux Dreamcast sous blister. Et ça a l'air d'être un vrai. Quoique, c'est pas un blister plié, ça? Il y a la languette. Ok, d'accord, j'avais pas vu. Il y a la languette. C'est un vrai blister, en fait. Godzilla, je l'ai sous blister, incroyable. Le Godzilla, il me fait envie, hein. Juste pour les souvenirs, parce que je l'avais acheté quand j'étais petit, quand j'avais eu ma Dreamcast. J'avais acheté Godzilla, qui était déjà en occasion dans le magasin. Et je l'avais pas payé super méga cher. Par contre, j'avais acheté July full price. July, c'est un visual novel de A à Z. Et je savais pas. Parce que personne savait à l'époque, quand t'achetais des jeux dans les magasins... T'avais pas internet à portée pour savoir. Et même si t'avais internet sur Alta Vista à l'époque, quand tu tapais July Dreamcast, t'avais zéro personne qui en parlait, quoi. Genre, personne sur internet en parlait. J'ai payé 10 balles. Ouais, je pense que ça vaut pas grand-chose, Godzilla. C'est pas un jeu qui vaut très très cher. 44 euros la Dreamcast en boîte, tiens. Je vais pas racheter une Dreamcast. Quand même. Oh, avec le Dream Passport 3, ça doit être une version assez récente de la console. Après, elle est en mauvais état, hein, mais elle est en bon état européen. Hein. Elle est en état mint européen, la boîte, là. En vrai. Je rigole, mais c'est ça. C'est
C'est quoi ça? Ah, c'est le câble téléphone. Ah, elle est complète, hein, par contre. Avec deux VMU. C'est pas si cher. Hein. Honnêtement, c'est pas si cher. C'est pas si cher. Je trouve que ça va. Après, elle est jaune, mais on dirait que les photos sont retouchées pour qu'elle ait l'air moins jaune, non? L'état du carton. Bah, l'état du carton, ça va. Hein. Canon Spike sur Dreamcast. Bah, intéressant. Tiens, salut Philippos. Bienvenue à toi. Alors, attends, il faut que je bloque la récompense pour que personne n'aille en reprendre une. Alors, on va faire une pause sur nos recherches Dreamcast à nous. Et on va aller au pays de Canon Spike. On va chercher comment ça s'écrit déjà. Canon Spike. Vous entendez bien la musique? J'espère. J'espère que je vais pas vibe tout seul quand même. Et bienvenue à toi, Philippos. J'espère que t'as passé un bon week-end. Canon Spike, ça a bonne réputation. 100 euros. 126 euros. 105 euros. C'est plus de 100 euros hein, à chaque fois. Par contre, on va se mettre en jeu vidéo. On entend la musique de manière correcte. De manière de points correcte. Hop, 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 hop. Si tu veux, il est en lose. Oh, et il est à chaque fois, il est cher et dans un état assez lamentable, en vrai. Il n'y a pas la spin card, il n'y a pas la red card, apparemment. C'est pas fou. Hein. C'est état vraiment d'occasion. Ça change des 800 euros de la version pâle. 800 euros de la version pâle. Ah ouais, d'accord. Alors le problème, quand vous faites des photos des CD, mettez une source lumineuse forte quelque part sur le disque pour révéler les rayures. Parce que là, on voit rien, en fait. Là, ça sert à rien de faire ça. Vraiment. Il faut qu'il y ait une lampe au-dessus du CD et qu'elle se reflète dans le reflet pour que vous voyez l'état de la surface. Quoi. Sinon, ça sert à rien. Mais je pense que le CD doit être en bon état. Quoi. 100 euros. Il fonctionne sur le device actuel, en plus. Par contre, je vais peut-être me mettre pour vous en français. Pour les descriptions, ça sera peut-être plus pratique. Il a été confirmé qu'il fonctionne sur l'appareil réel. Les accessoires sont comme indiqué dans l'image. Il y a des rides sur la couverture arrière du manuel d'instruction. Il y a des rides. Ça, c'est des rides. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on a aussi le jeu tout seul avec juste le disque. Pas de problème, après plusieurs minutes d'opération. Pas de boîte, pas de manuel. Des rayures sur l'arrière du disque. Alors d'accord. Donc il dit, pas de problème après plusieurs minutes de jeu, par contre le disque est rayé. Aïe aïe aïe, oui il y a des rides, c'est qu'il a mal vieilli, il a mal vieilli. Ah oui, c'est encore plus drôle que quelqu'un ait dit il a mal vieilli juste avant. Alors attends, viens par là. Enfin, qu'est-ce qu'il est BG lui, putain mais regardez-le. C'est vraiment à l'époque où j'étais chômeur et que je faisais que des vidéos. Hein. Ça se voit parce que je mettais mon fond vert et tout. C'était ultra chiant. En vrai, à faire. Mais par contre, le résultat était vraiment très rewardant. J'étais très content de le faire. Canon Spike. C'est un jeu en arène comme Power Stone, mais avec des combats à distance. C'est ça ou je me trompe? Le son est peut-être trop fort, je ne sais pas. Big Wheel Dragon. Il était cool ce jeu. Ah ouais? Il peut y avoir des rayures et ça passe quand même. Ça dépend les rayures. Oui, mais c'est problématique d'acheter un jeu rayé à 60 euros quoi. Tenter le full set PAL Dreamcast, me suis cassé les dents. Pas les moyens. Ah oui, c'est clair. En Dreamcast PAL, je pense qu'il y a des trucs qui sont complètement trop chers. Avec Kami de Street Fighter 2, je crois. Ah oui, d'accord. Je sais qu'il y a le petit chaperon rouge aussi, j'avais vu sur la jaquette. La jaquette japonaise, je crois qu'il y a elle, le petit chaperon rouge. Par contre, c'est un jeu de quoi, ça? C'est un shooter en arène vu de haut? C'est pas du tout ce que je croyais, Canon Spike. Dans ma mémoire, c'était un jeu comme Power Stone. C'est peut-être Outrigger. Peut-être que je confonds Outrigger et Canon Spike. C'est possible.
Oh bon. Mais ces caméras? Oh, ça fait très Naomi, quoi. Ça fait très jeu Naomi, quoi. Très, cette époque-là. Donc là, on a le CD Sol à 63 € et apparemment, il est rayé. Ah oui, il est rayé de ouf. Ah non, ça, tu le vends pas 65 €, ça. Ça, c'est impossible de le vendre 65 €, ça. Dans cet état-là, c'est pas possible. Trottinette contre tank. Moins 1 € par rayure. Ah ouais, voilà, il est gratuit le jeu. Il est même, on te paye cher pour que tu le prennes. Ah, le full set, c'est une sacrée aventure globalement. Je crois pas qu'il y ait vraiment de console sur laquelle le full set soit. Peut-être la Neo Geo Pocket. Ou des consoles comme ça, tu sais. WonderSwan, c'est énorme le nombre de jeux qu'il y a, mais Neo Geo Pocket, il y a moyen qu'il n'y ait pas trop de jeux dessus. Sinon, Virtual Boy, c'est cher. Est-ce qu'il y a des consoles qui sont pas chères? Moi, je vois surtout les consoles portables qui ont pas trop bien marché, qui peuvent être intéressantes à faire en full set. La Loupie, c'est cher. La Loupie, il y a deux. C'est genre, tous les jeux sont pas super chers, c'est 30 balles le jeu, quoi. Et après, t'as les pics qui vont à 600 balles. Super Cassette Vision. Super Cassette Vision, c'est très cher, hein. Tu veux que je te montre combien coûte un Lupin 3 en boîte sur. Ça dépasse les 100 €. Dragon Ball en boîte. C'est très très cher, Super Cassette Vision. Ensuite, on a une autre version en boîte à 126 €. Après, on ira voir Yahoo Japan Auction, bien sûr. Celle-là est complète, par contre, sauf la Spin Card. Mais on a la carte Sega, Club Sega, la carte Rec Card, la Rec Card, et la notice avec le jeu. On ne verra pas l'état du jeu, manifestement. Il dit que le jeu est open. Le jeu est condition ouverte. With postcard, c'est marrant, les red cards, ils appellent ça des postcards. Donc il n'y a pas la spin card, c'est un peu dommage. 126 € c'est un peu cher aussi. 105 € un peu moins cher, avec la red card, avec la carte Sega. C'est pas mal. C'est peut-être le moins cher jusqu'ici. Parce que celui-là, il avait rien, le premier. Celui-là, il n'a rien du tout et la notice est vraiment abîmée. Là, on a une notice qui a l'air d'être en meilleur état. Et surtout, on a tout quoi. On a juste pas la spin card. Il n'y a pas de rayure notissable. Celui-là, ça serait le plus intéressant actuellement. Et ensuite, pour 8,03 €, on a deux CD de démo en loose. Le GD de démo 8 et 9 de Dreamcast Magazine. Et dedans, il doit y avoir la démo de Cannon Spike à un moment. Ou peut-être une vidéo même de Cannon Spike. Gun Spike en japonais. Enfin, ça peut se traduire par Gun Spike forcément, puisque c'est Cannon Spike de base. Bon, alors on va hop quitter. J'ai oublié de faire un truc important, puisque vous savez que je suis votre personal shopper. Et je vais. Celui-là, donc c'est le plus intéressant. Je vais le copier dans le chat. Pour Philippos, et je vais mettre Mercari, et on va voir sur le Japan Auction si on trouve mieux. Eh, sur mesure, je vous le dis. Hein. Au vibe sur la musique. Canon Speak. Oh bordel, sous blister. Et il reste 18 heures. Il y a une personne qui le suit, il est neuf sous blister à 143 €. Non ouvert avec rétrécissement en plus. Ça veut dire quoi? Avec rétrécissement, c'est quoi? La couleur et l'état peuvent différer légèrement entre la photo et l'article réel, notez que. C'est un vrai blister, ça? Ouais. Je vois pas la ligne. Je vois pas la ligne. Ah si, elle est là. Et puis il a l'air neuf. Hein. Vu la gueule de la spin card, il a l'air vraiment neuf, le truc. Bah c'est pas mal, hein. Putain. 18 h. Dans 18 h, le sort en sera jeté. 147 € pour la version avec spin card cette fois. Et red card, beaucoup plus cher que l'autre du coup. 160 € ici avec la spin card seulement.
pas la red card, manifestement. Putain, c'est du 100 et quelques euros, quoi. C'est... Oh, 535 euros en neuf, là. Ah, attends, il n'y a pas que Cannon Spike dans l'annonce. Moitié fendu en haut à gauche. Ah, il y a un code Véro aussi. Ah oui, mais un code Véronica 9. Oh, un code Véronica 9. Avec le petit sticker qui prouve que c'est le blister d'origine, là. C'est compliqué de faire autrement. Et dans la petite boîte, il y a quoi? Oh, ah ouais. Donc celui-là, il est cher, hein, ce code Véronica. Hein. Celui qui a la carte de la prison, là, il est très très cher, il me semble. Toi, tu dis qu'il y avait le boîtier fendu. Ah ouais, grave, j'avais pas vu, putain, effectivement. Ah mais c'est pas Cannon Spike, c'est Gun Spike en japonais. Cannon Spike, c'est chez nous. J'avais pas vu. Et sur la boîte, il y a pas du tout le petit chaperon rouge, mais il y a Camille, effectivement. Et il y a aussi lui, là, de Street Fighter. Comment il s'appelle, lui? C'est le faux guy, là. Je sais plus comment il s'appelle. Nash. Ça. Camille Nash. Bon bah, il y en a pas de plus intéressant, à part si tu le veux en neuf. Cette annonce-là est très intéressante. C'est... Franchement, poser une enchère là-dessus... Charlie, c'est son nom occidental, c'est ça? Cette annonce-là, poser une petite enchère dessus en vrai, ça peut être intéressant. En vérité, un des derniers jeux sortis en Europe sur Dreamcast, juste avant sa sortie, très peu d'exemplaires en fait. Juste avant sa fin, pardon. En vrai, le fait qu'il soit fendu, ça retire rien. Vous croyez que c'est pour ça qu'il est qu'à 143 euros et qu'il n'y a qu'une seule personne qui le follow? Ça me paraît fou. Le mec, il vend quoi d'autre? Oh, le mec, il doit rien connaître parce qu'il vend des livres de composition d'école primaire. Il vend des livres d'école et des livres de charme. Des VHS, pardon, de charme. Le mec a l'air de rien savoir à ce qu'il vend, t'imagines? Tu as dit, il l'a mis à 140, donc c'est qu'il sait un peu. Oh, Buggy Hit. Le jeu médiocre de Buggy sur Dreamcast. Mais neuf, quoi. Il a des jeux neufs Dreamcast. Qu'est-ce que c'est quoi, en fait? Oh, il a Prismatic... Non, c'est à My Goddess. C'était Prismaticalisation. Open Music. En neuf aussi, là. Il a un jeu avec des petites filles. Aïe, aïe, aïe. Toujours un peu dur, hein, ce genre de jeu à croiser. Le Panzer Dragoon en Sega Ages, ça c'est stylé. Il y a plein de jeux. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je t'ai envoyé deux liens qui ont l'air assez intéressants. Voilà. Merci d'avoir utilisé nos services. Et à la prochaine. Tant de jeux rétrécis. C'est ça. Alors là, il faut que je fasse recherche. Hop. Incroyable. C'est bien fait, hein, le stream d'Arune Otaku, quand même. Il y a des trucs qui sont réfléchis. Avec plaisir, Philippos, merci beaucoup à toi et à ta fidélité. Bon voyage. Il a dit bon voyage. Vous en pensez quoi, vous, de cette Dreamcast? Vous trouvez vraiment qu'elle n'est pas intéressante? 44 euros une Dreamcast avec une manette, deux VM. Tous les câbles et la boîte. La boîte en état moyen, mais pêche. En mauvais état même, on peut le dire. Il n'y a pas Dream Passport par contre, alors ça c'est un peu gênant. Mais 44 euros, c'est que dalle. C'est une Dreamcast en France, en loose, c'est 100 euros. Enfin, après, une fois arrivé chez toi, de toute façon, la Dreamcast, elle ne te coûtera pas 44 euros. Hein. Ça, vous connaissez Bailly, vous savez, hein. C'est toujours réfléchir. Faut y mettre, faut y rajouter... un bon double, je pense, là. Si vous prenez que la Dreamcast et que vous mettez que les frais de port de la Dreamcast, vous allez au moins payer deux fois le prix. N'oubliez pas ça. Beauf sur 20, très bien. Alors, on va continuer les recherches, alors. Le fameux Fighting Stick, Sega Saturn. Je sais pas pourquoi on trouve autant de Saturn sur des trucs Dreamcast. La description doit sûrement contenir le mot Dreamcast. Crazy Taxi 2 en 9, 30 euros.
Crazy Taxi 2, hein. Évidemment, ça c'est un jeu que je veux, moi. Those crazy bunch of cabbies are in the East Coast now. In the East Coast too. Il était fou ce jeu. Le mode aventure du premier Crazy Taxi était assez pauvre. Le mode aventure de Crazy Taxi 2, c'est incroyable. À base de bowling, à base de plein de mini-jeux trop trop cool, quoi. Ce prix est 666 et suspect. Le pack Dreamcast, c'était 666 ? J'ai pas vu. Alors en tout cas, Taxi Fou 2, logiciel Dreamcast, bah c'est très intéressant, c'est pas très cher. Pourquoi ce jeu est si cher ? Il est connu pour être cher, ce jeu ? Parce qu'il est neuf. 60€ la Dreamcast en loose. C'est quand même beaucoup plus cher, vous avez vu. Je veux pas dire que c'était peut-être une bonne affaire finalement, mais quand même. Donc là, ce qui nous intéresse pas trop, c'est que les jeux qu'on trouve, c'est pas des jeux en lot, hein. Vous avez vu. Taxi Fou 2. La Dreamcast Jap est tellement moins chère que la Dreamcast PAL, c'est fou, ouais, et au final, elle est même... Et au final, elle est même plus fiable, souvent. Ah, quel dommage, je crois qu'il y a un volant ou une merde avec... Ah non, c'est le Virtual Home. Alors attends, ça c'est très intéressant. 129€ pour une Dreamcast en boîte. Le VM 4x, c'est celui que j'ai d'ailleurs, le 4x. Un VM 9 presque en boîte, avec le Sunfade qui a bouffé la moitié de la boîte. Mais c'est rigolo. Dans la Dreamcast, on a tous les papiers qui viennent avec la Dreamcast. Et plus encore. Même des trucs Dreamcast direct, le Dream Passport 3. On a le VM qui est vraiment en état neuf. Peut-être pas neuf. Le capuchon, il est un peu crasseux, là. Je pense qu'il a servi. Il montre que ça fonctionne. La manette Virtual On, non ? C'est pas la manette Virtual On, ça. Ça rentre pas dedans. Ah, on voit la moisissure sur le carton. Ça, là, ces petites taches, c'est l'humidité du Japon qui se développe en champignons à l'intérieur des boîtes. C'est assez terrible. Virtual Cyber Trooper, c'est juste un jeu qui était fourni avec, mais je vois pas ce que c'est cette boîte. C'est censé être la boîte de quoi ? Je vais voir la description après. Par contre, la boîte de la console, elle est clean. Ah, c'est le keyboard, mais il est pas dedans. C'est le keyboard, mais il est pas dedans. Alors ça, c'est pas mal quand même. Une boîte vide de clavier. Sachant que moi, j'ai un clavier en plus chez moi. Enfin, j'ai pas besoin de Dreamcast, mais c'est intéressant. Dreamcast Main Unit. Visual Memory Box avec instruction. Visual Memory 4X Box avec instruction. Dream Passport Box. Keyboard Empty Box. C'est ça. Et des jeux. Les jeux, du coup, c'est quoi ? Il y a Culcept 2. On l'avait fait, Culcept, vous vous souvenez ? C'est le jeu où j'ai réussi à apprendre, grâce à Google Translate, à jouer à un jeu que je connaissais pas du tout. Et du coup, depuis, je suis assez fan du principe de Culcept. C'est un mélange de Tactical et de Monopoly. C'est très étrange, mais c'est très très cool. Un jeu de formation de soccer, là, et le Virtual On Cyber Trooper. Pas si terrible, en fait, ouais. S'il y avait eu clavier dedans, ça aurait été pas mal. Ça, c'est beau, First Gen, en plus. Ouais, je savais pas que c'était la boîte du clavier. Merci, Fred Pitch. Bon, le lot est pas méga intéressant. Sega Saturn Game Software pour Sega Saturn. Et j'ai tapé Sega Dreamcast. Merci. Qu'est-ce que c'est que ces Visual Memory là ?
Code Veronica sans le jeu. Oh Makuma, Makuma. Son japonaise de Makuma. Ah, le mec a eu la flemme à ce point. Le mec te vend Code Veronica sans la boîte plastique. Sérieux quoi. Mec, tu vas acheter une boîte plastique et tu mets tout dedans quoi. Ça c'est... Putain, ça c'est vraiment flemmard de merde, hein, quand même. Ah, tu vas acheter le premier jeu Dreamcast en double boîte qui coûte rien, et tu remplaces la boîte pour mettre ton code Veronica dedans, quoi. Bah, jusque là, j'ai trouvé un taxi, un Crazy Taxi 2, 9 à 30 euros. Ah, ça doit être cher pour un Crazy Taxi 2, je pense. Mais par contre, il est neuf, quoi. Donc ça, c'est assez, assez marquant, ça m'a marqué. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? On avait trouvé ce petit bundle de jeux très cher à cause de ce jeu-là, qui doit sûrement être un jeu moderne ou homebrew, je sais pas quoi, qui est sorti plus tard et qui rend tout ça très cher. Le Godzilla Génération fait partie des jeux que je cherche un peu sur la console. Et on a trouvé aussi un Gun Spike à 535 euros. Avec un code Veronica de 9. Code Veronica sous blister, c'est assez dingue ça. Et là, on cherche un petit peu, on erre dans juste Dreamcast. Et après, on fera l'eau Dreamcast pour voir ce qu'on peut trouver en vrai lot. Ça peut m'intéresser, mais 48 euros, c'est trop cher. Mais Sonic Adventure et Sonic Adventure 2, ça m'intéresse. Alors, le Sonic Adventure, toute première édition, c'est terrible. Ce jeu-là est terriblement buggé. Un visual novel un peu cher. Ah, un peu cher, d'accord, ok. Bah, merci, Delélien. Attends, je sais pourquoi ce pack est cher. Parce que du coup, dans ce pack-là, il y a des jeux pas chers. Il n'y a que des jeux qui valent pas grand-chose. Celui-là doit valoir plus cher, parce que 95 euros, ça justifie pas Code Vero, Soulka et... dans ce bundle, les trois jeux qui m'intéressent, c'est ceux-là. Virtua Fighter 3 TB, je l'ai parce que la collection Shenmue m'impose de l'avoir. Parce que, alors, si vous le saviez pas, je pense que vous le saviez déjà, mais les first print, les premières versions de Virtua Fighter 3 TB, voire toutes les versions, je crois, puisqu'il s'est pas très bien vendu, parce que ça a été un portage désastreux, un mauvais portage, vraiment. Virtua Fighter 3 TB a été porté par Genki, parce que Sega n'a pas eu le temps de le gérer en interne, et ça a été un peu fait à l'arrache, malheureusement. Le jeu est pas super bien porté, et le jeu ne s'est pas vendu à cause de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce jeu, en deuxième disque, vous avez ce qu'on appelle le Project Berkeley. Project Berkeley, c'est les toutes premières images préparatoires de Shenmue, avec Yu Suzuki qui explique sa carrière. Il explique comment il a commencé, sur quoi il a développé, sur où est-ce qu'il est arrivé chez Sega, qu'est-ce qu'il a fait, et à la fin il parle du projet de sa vie, qui est le projet Berkeley. Et c'est Shenmue, en fait. Et on voit des images, pas Saturn, mais on voit des images préparatoires CGI de Shenmue. Très très intéressant. Maboroshi Tsukio. Le visual novel ? D'accord. Donc voilà, ce bundle-là m'intéresse pour les trois jeux qui sont là, surtout Soul Calibur que j'ai pas, quoi. Ça me rend dingue de me dire j'ai pas Soul Calibur. Et le pack Sonic, là, c'était quoi le problème ? 48 euros, c'est cher, non? Pour les deux Sonic, là. Sonic Adventure 1, pour moi, il vaut rien, tu sais. Et Sonic Adventure 1, celui-là, il est entièrement pété, la version 1. Vous voyez que cette boîte-là, c'est la toute première version de Sonic Adventure japonaise. Elle est éclatée au sol. Le jeu, il est pété dans tous les sens. Il y a des bugs de partout. Dans le jeu, oui, d'accord. Donc il vaut mieux acheter l'édition refaite. Je sais plus à quoi elle ressemble, la boîte, mais c'est un peu plus jouable. Parce qu'en vrai, le premier Sonic Adventure, ça a été un traumatisme de ma jeunesse. J'ai découvert Sonic en 3D sur Sonic Adventure, sur Dreamcast version 1. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Putain, what, Shenmue, 4,46€? Mais c'est que dalle. C'est méga pas cher. Bon, par contre, il n'y a pas la spin card, il n'y a pas la... Je sais pas s'il y a une spin card dans Shenmue... Pas sûr qu'il y ait une spin card dans What's Shenmue. Moi, je l'ai acheté en neuf. Et je crois qu'il n'y a pas de spin card dans What's Shenmue.
C'est une exception parce qu'il n'était pas vendu dans les magasins, il était donné. Du coup, il a pas de spin card, je crois. La même avec le mot international, d'accord. C'est très discret, la version 2. Alors, on a déjà des jeux... voilà, là, c'est cool. Donc, on a, c'est cool parce qu'on a les jeux pas chers. On se rend compte que Soul Calibur vaut 800 yens. Donc, c'est que dalle. Moi, je m'en fous des spin cards et des red cards. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, je pense que craquer pour un Soul Calibur dans cet état-là, ça me va. 5,36€. Si je trouve un lot avec plusieurs jeux, dont Soul Calibur, ça peut être intéressant. Shenmue 1 et Shenmue 2 en édition vraiment bare bones, sans aucun bonus et sans rien. Sans le fourreau et sans laisser des bonus. 12,05€, c'est vraiment pas cher. Shenmue 1 et 2, en japonais. Mais ça reste Shenmue 1 et 2, ça reste des jeux quand même assez mythiques. Ici, on a Phantasy Star Online, ça pourrait m'intéresser de l'avoir avec le premier Virtua Tennis. Mais malheureusement, il y a un jeu qui m'intéresse pas du tout. Undead Sword, ça ne m'intéresse absolument pas. Et ils sont 9. Non, ils sont juste en... D'accord, ils ont juste la Spin 4. J'avais oublié la boîte japonaise de Virtua Tennis, elle est marrante. C'est marrant que j'ai Virtua Tennis 2 et Virtua Tennis 2 en Naomi. Ça, je pourrais faire des comparatifs. Oh, il y a une édition spéciale avec une peluche de Mickey pour le Dream Switch. C'est rigolo, le Dream Switch. J'hésite pas à l'acheter, parce que bon, voilà, mais... Mais c'est un objet rigolo de Sega. Un projecteur de voie lactée dans le ciel, enfin sur votre plafond, quoi. C'est assez marrant. Ah ! Les jeux du lancement, ça ! 23€, c'est pas cher. Là, ça y est, on arrive sur des lots qui sont pas chers et qui sont intéressants. Malheureusement, il y a Virtua Fighter 3 que j'ai déjà et que je veux pas. Il y a Monaco Grand Prix Racing Simulation 2. Tu reconnais ce jeu ? Mais ils sont tous neufs ! Mais c'est incroyable! Il y a Buggy, ils sont tous neufs, sauf Virtua Fighter. Attends, il est neuf, Giant Gram machin? Ah non, peut-être que Giant Gram n'est pas neuf. Par contre, Monaco Grand Prix, je reconnais ce jeu, oui. C'est la même jaquette que l'européenne? Vous aviez une jaquette différente pour le Japon? Le lot est joli, mais les jeux sont pas. Moi, ça m'intéresse pas suffisamment en fait. Il y a July? Qui pourrait être très rigolo hein, pour le PTSD, pour exorciser ce PTSD de jeu que j'ai payé 449€ en import à l'époque. Et que j'ai joué peut-être... Enfin, j'ai dû jouer 2 heures quand même pour me forcer, mais au bout de 2 heures à zapper du texte, il n'y avait pas de 3D, il n'y avait pas de jeu. Donc je me suis dit, bon, soit l'intro est très longue, soit c'est que ça pendant tout le jeu. Donc voilà, tant pis. Je l'ai revendu dès que j'ai pu. 5€ le Virtua Tennis. On voit que c'est des jeux qui sont pas chers en lot. Le Sonic Adventure aussi, 5€. Je ne sais plus, je n'ai que des jeux japonais sur Dreamcast. Que des jeux japonais. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais otaku, les enfants. Vous voyez, Mokona, c'est un vrai passionné du Japon. Ce qu'on appelle un otaku. Oh putain, la Hello Kitty, 775€. Êtes-vous sérieux? Par contre, elle n'a jamais utilisé, quoi. De toute façon, les 3/4 des Hello Kitty, je pense qu'elles sont condamnées à être dans cet état-là. Hein. Oh. Vous avez vu les taches dont je vous parlais tout à l'heure? Oh là là. Toutes ces taches jaunes-là, c'est de la moisissure. C'est des petits champignons qui commencent à se développer. C'est l'humidité, quoi. Elle a pas l'air... Oh, si, elle est un peu jaunie, quand même. La couleur est plus d'origine, quoi. Enfin, la couleur est plus... comme elle devait. Oh, la manette, ça va, par contre. La manette, c'est bien vert, vert bouteille. C'est joli, hein, d'ailleurs, ce vert. J'aime beaucoup. Il y a encore la pile, putain, dedans. C'est marrant. Avec la languette, donc ça va. Normalement, elle peut pas couler, puisqu'elle elle utilise pas l'énergie du tout. Et le clavier, Hello Kitty, qui est fourni avec les deux, le jeu Hello Kitty et le Dream Passport spécial Hello Kitty. Putain, elle est chère, hein, cette console. 775€. C'est pas très cher. Atelier, Marie et Ellie. Il y avait déjà des jeux Atelier à l'époque sur Dreamcast. J'étais pas au courant. On ne me dit jamais rien. J'ai vu ce que j'ai vu. Mais la rose et le Kitty vieillit plus que la bleue. Vieillit moins bien que la bleue, tu veux dire?
faut éloigner sa mise en scène de l'écran. Oh, 4 400 euros, certes, mais. Mais l'état et le blister autour de chaque jeu. Oh là là, l'état immaculé, ce pack. Mmh. Aïe, 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 aïe. C'est très beau, hein. Ah, c'était des c'était du plastique chauffé, tiens. C'est du thermo scellé. Est-ce qu'elle a servi ne serait-ce qu'une seule fois, cette console? Il l'a sorti hein, pour faire les photos, je l'ai vu tout à l'heure. Salut Varoni, comment tu vas? On est en train de regarder de la Dreamcast, comme tu le vois, sur Bali. Et du coup, il l'a déballé. Non! La mousse, elle est neuve! Comment c'est possible? La mousse est neuve. Ça voudrait dire que, genre, c'est. C'est l'oxygène qui les tue? C'est quoi? C'est l'accès à l'air libre qui les tue? L'humidité? J'arrive pas à comprendre. Oui, c'est la Dreamcast. Oui, c'est la Dreamcast, ok? Et ça, c'est la shipping box que j'ai chez moi et qui est en meilleur état ici. Mais je l'ai, cette shipping box. C'est la seule chose que j'ai avec mon 64DD. J'ai pas la boîte du 64DD, mais j'ai la shipping box et le truc en polystyrène. C'est le seul truc que j'ai. Et j'ai les jeux avec et tout. Mais j'ai pas le modem de RAMnet. Ça me rend un peu fou de pas l'avoir, ce modem. Bref. On s'est rincé un peu les yeux sur un truc à 5000 balles, voilà. Mais on repasse à la Dreamcast. Il a été conservé dans de très bonnes conditions. Ça veut dire que la mousse des micros, c'est pas fatal. Elle n'est pas obligée de mourir, quoi. C'est très intéressant, parce que je savais pas. Pour moi, elles étaient forcément mortes, les mousses de micro, mais apparemment, très bien conservées. Oh, il y a Virtua Athlete aussi, Power Serve 2. Attends, ça, ça a l'air intéressant comme lot. Il y a Tetris, même. Il y a Puyo Puyo. Il y a même un Puyo Puyo 4. Incroyable. Alors, on a Pen Pen. Chouchou Rocket, ça m'intéresse, hein, tout ça. Ça, je sais pas ce que c'est, tiens. Power Dreamcast, je sais pas ce que c'est. Quelqu'un connaît ça? Ça aussi, je sais pas ce que c'est. Les 24 heures du Mans, le Mans 24 heures, Tetris 4D, et surtout Virtua Athlete et... Ah non, c'est Spectacle Soccer, ah merde. Si ça avait été Virtua Tennis 2, comme je le croyais de loin. Ça m'aurait intéressé, mais ça m'intéresse moins, là. Ce jeu-là, je sais pas ce que c'est. C'est pas Destin, c'est Game of Life? Oh merde, c'est Game of Life, putain, trop bien. J'avais pas vu la roulette, j'avais vu que les bonhommes. Mais oui, t'as raison, Game of Life. Oh là là. Bon, ce lot, il est quand même assez intéressant. 42 euros, il est très cher, par contre. Pour 9 jeux. Je sais pas si c'est pas Puyo qui coûte cher. Il coûte cher, Puyo, Mokona, sur Dreamcast? Pas cher, moi. Il y a Tengoku, Risen Tengoku. Aucune idée, je ne le cherche pas. Comment ça? C'est un jeu Puyo, hein. C'est un Puyo Puyo. Tu ne cherches pas. Alors que c'est un jeu Puyo Puyo. Ah, il a déjà. C'est pas pareil. 53 euros, on a beaucoup de jeux. What's Shenmue que j'ai déjà. Ça fait chier. Pourquoi les gens ont acheté What's Shenmue aussi? Quelle idée. On a Crazy Taxi, on a Sega Rally 2, Puppet Music. Je m'en serais passé. Code Veronica, Chouchou Rocket, ça c'est intéressant. On a Soul Calibur, qu'on a effectivement un grand pan des grands classiques Dead or Alive 2. Très très cool. Puppet Music, je sais pas pourquoi il était pris en photo. Il est sale. Il suffit de laver, monsieur, vous savez. Mais... Ça doit être le CD qui est dans le moins bon état, c'est ça? Je me demande si c'est pas des taches de moisi, ça. Il le prend en photo, c'est qu'il doit y avoir un truc bizarre, non? Puppet Music et What's Shenmue m'intéresse pas, mais 53 euros pour 12 jeux, est-ce que c'est pas un peu cher aussi? Ça me paraît un poil cher encore. On va chercher encore.
cherche encore. Essaye encore. Jetstar du futur. Je vous rappelle qu'avec la récompense de chaîne, tu peux chercher ça. Ah mais merde, j'ai suspendu. Quel con. Tu peux chercher ça. Vous pouvez me faire rechercher des objets sur Bailly, si vous voulez acheter un truc. Je vous le cherche sur Mercari, Yahoo Japan Auction, et je vous cherche les meilleurs prix, bien sûr. Comme ça, on cherche ensemble, et c'est rigolo, c'est ludique. Do you remember? Il y a Tokyo Bus Guide, il y a Monaco Grand Prix, Sega Rally 2, Crazy Taxi. Oh, le pack Sonic 10e anniversaire, 92 euros, c'est trop cher. C'est quoi ce jeu là? Il y a des trucs chelous, hein. Ah oui, à part la belle photo pour te montrer les jeux. C'est quoi ce jeu là? Il y a des jeux bizarres, hein. Genre Bimbo Soft. Ah, parce que là, on va faire du Bimbo Soft Dreamcast. C'est quoi le jeu de Bimbo Soft sur Dreamcast? Bimbo Soft. Ah, ils ont fait 3 jeux. Je m'étonne pas. C'est un jeu de coaster, d'accord. Voilà. Ah, c'est celui-là peut-être plutôt, non? C'est des jeux de tennis? Il y a un jeu de tennis aussi, d'accord. Il y a un jeu de fête foraine. Ah, c'est celui-là. C'est moche, hein. Anima Star, connais pas. Et puis, même pas complet le pack Sonic 2 anniversaire. J'ai pas regardé encore, attends, je vais voir. Il manque quoi? Eternal Arcadia Limited Box. Ah, ça y est. Mon gars sûr. Mon gars sûr est là. Ça y est. Je savais que ça tomberait. Je me doutais, je l'aurais cherché, hein, si tu l'avais pas cherché. Mais Fred Kid veut chercher le Eternal Arcadia Limited Box, tout en majuscule. Bien sûr, puisque on peut pas écrire autrement que tout en majuscule quand on cherche ce genre de choses. Eternal Arcadia. Eternal Arcadia. Ça se dit Eternal Arcadia. On retourne sur Bailly. Ah, il manque le fourreau, effectivement, t'as raison. T'as raison. C'est vrai qu'il y a un fourreau autour du pack. Il est cool, d'ailleurs, ce petit pack, il vaut rien. Malheureusement, c'était censé être une édition limitée qui allait prendre de la valeur, bah non. Il a jamais coûté cher. Le jeu Eternal Arcadia n'est pas cher en japonais. Il vaut pas grand chose, tu vois, 17 euros en Dreamcast. Par contre, ce qu'on cherche, c'est pas ça. Hein. Ce qu'on cherche, c'est le gros pack de gros bâtards cartonnés avec le jeu. Et je crois qu'il y a un drapeau dedans. Alors, il n'y a pas un drapeau, il y a une carte en tissu. Mais c'est un peu format drapeau et c'est assez marrant. Et je crois que derrière la carte, il y a un motif de voile avec une tête de mort, si je me trompe pas, un truc comme ça. Attends, c'est pas ça, ça c'est le guide. La limited box où il manque les trois quarts des trucs. Il manque le jeu. Cela dit, 26,10€. Elle est pas si incomplète que ça. Hein. Il manque juste le jeu, quoi. Il t'achète ça, il t'achète le... Je pensais pas qu'elle était si peu chère, attends. Out of stock? Ah, le software is not included. D'accord. Software out of stock. C'est que le jeu qui manque. Donc on a un petit bandeau avec le logo des pirates. On a un strap.
Eternal Arcadia. On a les trois, on a trois des trucs qu'on peut avoir dans le jeu en strap ou en porte-clé. On a la voile qui derrière, je crois que c'est une carte, si je me trompe pas. Hein. J'avais loupé sur Mercury vers 60 euros il y a quelques mois. C'est pas cher, hein. C'est pas cher 60 euros pour un collector de ce genre-là. 89 euros, voilà. Là, on est plus dans les prix que j'imaginais. J'avais au moins 100 euros dans la tête. Et voilà, la version complète, elle est comme ça, elle est pareille, vous voyez. Il n'y a pas tant de différence que ça, en fait. Donc ça peut valoir le coup d'acheter la version un peu chien de la casse et d'y mettre le jeu, quoi. Que t'achètes à part, parce que le jeu n'a rien de spécial, hein. C'est le même. Ah, quoique, on ne sait pas s'il y a ça au fond. Dans l'autre, il n'y a pas la photo du fond. Dans celui-là... Ah, il n'y a pas la photo du fond. Ça, c'est chiant. Les photos sont en double. Très bien. C'est le jeu standard dedans. Ouais. Mais par contre, t'as vu, il y a un truc au fond de la boîte qu'on ne sait pas s'il y a dans, celle, dans cette version-là. Ça, là. Ça, c'est un livret, il me semble. Il me semble qu'il y a un livre avec. Donc ça, ça doit être un livre d'art. Ouais, on le voit d'ailleurs, qui se décolle du fond. Ça, c'est un livre. C'est un livre avec de l'art, des trucs artistiques. Je pense que si le mec a pris la photo de cette manière-là, c'est qu'il veut bien... Il veut pas montrer qu'il l'a pas, quoi. Ça m'étonnerait qu'il y soit. Ou alors, le gars, on a rien à voir. On a vraiment rien à faire de son truc, mais... Je vais le garder de côté, c'était un Arcadia... Intéressant. Est-ce qu'on a une édition moins chère et meilleure qualité, peut-être? Et par contre, sur GameCube, il coûte cher. Hein. 239 euros en scellé, d'accord. Oui, et, attends, sample not for sale. Est-ce qu'on peut avoir la version Dream... pas Dreamcast, version GameCube. Version GameCube, 40 euros. Il est deux fois plus cher sur GameCube que sur Dreamcast. Case of Arcadia. Donc ça... C'était pour les packs collector, bah du coup, vu le prix, je suis désolé, hein. Mais je vais te recommander celui qui est en meilleur état, avec le jeu dedans, parce que 89 euros, ça vaut le coup. En fait, ça vaut même plus le coup que de créer toi-même ton pack, quoi. Quoique 26, non, 26, c'est plus cher quand même. Mais bon, il est en meilleur état, donc voilà, moi je dirais ça pour Mercari. Et on va y voir sur Yahoo Japan Auction. Salut tout le casse, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Yahoo Japan Auction? Oh, le mec vend un VMU. Et il fait du putaclic en mode... Il y a quand même des données d'Eternal Arcadia dedans. C'est honteux. C'est honteux. Ça n'a aucun lien, les deux. Juste le fait que tu puisses sauvegarder, tu peux avoir des mini-jeux VMU sur Eternal Arcadia. Alors... Ah ouais, il y a Aika. Il l'a pas déballé? Attends. C'est vrai qu'ils ont fait Aika First Four Figures. Oh ouais, il a même pas déballé, quoi. Tu peux même pas l'avoir. Aika, c'est l'héroïne féminine du jeu, et First Four Figures, donc F4F, ils ont fait une figurine de elle, qui est assez incroyable, qui est vraiment belle, je trouve. Ça, bah, elle est sur le bon coin à 484 euros. C'est plutôt stylé. Ça fait plaisir de voir surtout des figurines de... Ah bah elle a pas été déballée non plus celle-là. Les gens qui achètent pour revendre, quoi. C'est là que tu vois que c'est de la monnaie de... C'est de la monnaie d'échange, les figurines, quoi. 400 euros, 200 euros au Japon, voilà. 200 euros en, pardon, en cours d'enchère, 321 euros en achat immédiat. Un poil moins cher, bon, c'est le prix, quoi. C'est de la résine et tout. Ça va, je viens de regarder une émission de BFM Business qui spécule sur une OPA sur Ubisoft à partir du tweet de du JDG. Ah, mais oui, parce que... Non, mais alors, par contre, c'est pas complètement débile d'imaginer une OPA sur Ubisoft dans le sens où ils viennent de dire que Outlaws c'était pas bien vendu. C'est possible que ça les mette un petit peu mal. Je me demande si ça peut pas influencer une décision d'OPA, ce genre de truc. Après, ils ont dit du bout des lèvres que Outlaws c'était pas vendu au niveau des espérances. Pas non plus la fin du monde, mais
Perfect Guide. Donc là, on a l'édition 99€. Elle est un peu plus chère et elle est en même état, je pense. On va quand même regarder. Quoi, à moins de 13€ l'action. Ah putain, ça s'est cassé la gueule à ce point. Non, c'est pas débile, mais c'est rigolo de voir que JDG est cité par BFM Business. La JDG, c'est devenu quelqu'un vraiment. Enfin, c'est un vrai influenceur, JDG. Joueur du Grody, et c'est une marque. Ouais, son pack, il a l'air en bon état. Vous voyez qu'il y a encore les traces de moisi, hein, là. Tac, 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 l'humidité au Japon. Si vous vouliez une preuve, regardez tous les packs collector Dreamcast blancs. Sur les cartons noirs, ça passe. Sur les cartons blancs. Il y a bien un livre, vous voyez. Ça, c'est un livre d'art. Un artbook du jeu. On voit que le jeu est totalement complet, bien sûr. Il n'y a pas de spin card sur Eternal Arcadia édition collector, apparemment. Puisque le jeu doit être scanné par les codes-barres en externe. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une spin card pour les jeux comme ça. Code-barre est là. Donc en général, toutes les infos des spin cards sont là pour l'édition collector, par exemple. Et en général, du coup, les boîtes des éditions limitées n'avaient pas de spin card à cause de ça. La photo d'écran est dégueulasse, monsieur. Bon, celui-là, il est un peu cher. 39€. Mais il a le mérite d'exister. J'adore dire ça. Il a le mérite d'exister. C'est vraiment... ça veut tout dire et rien dire. C'est du Virtua 2 que je vois en bas à droite. C'est Virtua Fighter 2 Mega Drive en bas à droite. Parce que c'est la Mega Drive Mini que j'ai laissé brancher. Pleine de brancher une console et pas envie de mettre deux fois le même gif avec le colis qui Ah merde, il est où? Voilà. Ce gif-là, j'avais pas envie de le mettre deux fois. Donc au lieu de mettre le gif, j'ai mis Virtua Fighter 2. Je me suis dit que c'était plus rigolo. Ah, il y a une vraie direction artistique, une vraie réflexion, une réalisation, évidemment. Je décolle, bonne soirée. Bon, merci, Delinia, d'être passé. Une très bonne soirée à toi. Et bah, à plus. Cry, cry, cry. Il y a une plaque de stickers. Pour le pre-order. Oh, le pre-order bonus de Eternal Arcadia sur GameCube. D'accord. Je me disais aussi. Mais ça doit tout décoller. Hein. Ça, c'est le genre de truc où tu plies un peu la plaque, t'as tous les stickers, ils font... Je m'en vais. T'es sûr et certain. Je sais que j'ai une plaque de stickers dans Gamera 2000 sur PlayStation, parce que je l'ai acheté dans un état vraiment excellent, avec tout le temps. Et du coup, mes stickers, ils sont en train de crever, quoi. Ils sont en train de s'en aller de la boîte. C'est un peu dommage. Alors, une ou deux parties de flip et dodo. Ah! Eh bah super, ça va se coucher avec les poules. Moi j'ai toujours pas trouvé mon pack de jeux que je voulais acheter sur Dreamcast. Bon bah, je pense que celui qui vaut le plus le coup, ce serait celui-là du coup, hein, celui qu'on vient de passer. Parce qu'il est moins cher que les autres. Il est où? Celui-là, Limited Box. 71€, malheureusement il reste 15€. Combien de personnes le suivent? Est-ce que c'est jouable ça? Est-ce que tu peux aller te coucher sur tes deux oreilles? Oh! Il y a 0 follower. Et attends, par contre, il est dans quel état? Il est en excellent état. Hein. Ah, les taches de moisi. Quel enfer. Les taches de moisi de ouf, quoi. Ça me rend fou qu'il y ait ça partout. Voilà. Ah, il est en bon état, celui-là, en vrai. En vrai, moi, j'essaierai d'en chérir sur celui-là. 71€, c'est pas cher. C'est plus cher que ce que t'avais trouvé. C'est plus cher que celui qui est un peu pété que j'ai trouvé, où je me suis dit que ça serait peut-être bien. Mais bon. Je suis le boulot et je vais dodo. Reprise du boulot, et oui. Bonne soirée et nuit à tous. Bon shopping à vous. Merci beaucoup, Tom. Bonne soirée à toi et merci d'être passé. Des oublis. Voilà, c'est tout pour toi, du coup, mon bon Fred Kit. J'espère que ça t'a... ça te satisfasse ce que je t'ai trouvé. Je vais effacer ce que j'achèterai pas. J'achèterai pas ça, parce qu'il y a un jeu qui me plaît pas dedans. Ça c'est Code Veronica en 9, c'est un bel objet, mais bon, voilà. Ça c'est Code Veronica sans la boîte. C'est rigolo. Ça c'est les Sony qui sont ultra chers. Je sais pas pourquoi ils sont si chers, les deux. Hop. On fait du ménage. Ça c'est un bundle qui est pas si intéressant que ça, parce qu'il y a des stands dedans. Ça c'était le bundle qui était intéressant, pour le coup. Il y a Watch Shenmue en double, ça m'énerve. Ça c'est un bundle pas intéressant. Et on recommence, on continue la recherche, et je vous remets, hop,
la récompense si vous voulez chercher un objet sur eBay, sur Bailly. Vous avez rien entendu. Vous avez pas entendu. Chut. Oh, ça, ça m'intéresse. Le VMU Godzilla. Qu'est-ce qu'il a de particulier, tiens? Interrogation surprise. Il baillit, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce VMU? Est-ce que vous saurez me dire ce qu'il a de particulier, ce VMU? Il a un truc très particulier. Il a une particularité qui, moi, m'avait ultra marqué, vraiment. Oui, il est vert, c'est vrai. Alors déjà, c'est un point pour Mokoda, déjà. Mais c'est pas tout. Si on regarde la date de sortie, on est assez choqué de voir... Ah bah oui, mais 98. Eh bien, ce VMU, il a de particulier qu'il est sorti avant la Dreamcast. C'est le premier VMU à être sorti dans le commerce. Avant même que la Dreamcast ne soit disponible. Du coup, il y a des magasins d'import en France qui l'avaient et qui le vendaient une blinde atomique. Ils le vendaient trop cher, 500 balles, genre. Du coup, j'ai jamais acheté. Et pour exorciser ça, je me demande si je vais pas envie de craquer pour... Oh, il y a des bundles intéressants. En tout cas, c'est très intéressant ce VMU, c'est assez drôle. Je connais pas beaucoup de consoles qui ont eu des accessoires qui étaient vendus en avance, en fait. Le problème, c'est qu'il y a des consoles dans ces bundles. Ça m'intéresse pas d'acheter la console. Oh, le Doraemon, il est trop choupinou. Le jeu Doraemon. J'adore Doraemon, je sais pas si vous saviez. Par contre, je crois que le jeu Dreamcast n'est pas du tout intéressant. Ah, quoique... Non, ça a l'air d'être un visual novel, non? Ça a l'air d'être beaucoup de dialogue. Ah si, il y a des séquences de gameplay qui ont pas l'air folles, mais qui ont l'air marrantes. Faut que je regarde. Faut que je m'y intéresse. Tiens, tous les bundles de jeux Dreamcast, il y a la Dreamcast avec, quoi. C'est fou, quand même. Donc là, ici, on a Code Vero. Tout seul. On a Code Vero avec Samba de Amigo. Samba de Amigo, ça m'aurait vachement intéressé, mais avec les maracas, et ça doit être hors de prix. Je pense que les maracas de Samba de Amigo, déjà, elles ne servent que pour Samba de Amigo. Et elles doivent être hors de prix. Pen, tiens. Le premier jeu de Gas, il est là. En tout seul. Ah, des Game Gear. Elles sont sûrement HS. Le F355 Challenge en 9 sous blister. On a des VHS Dreamcast. On a la fameuse Dreamcast rouge. La Dreamcode. La Dreamcast console Seaman Christmas. Ah, c'est la Seaman, la rouge, comme ça. Et elle est en loose, du coup. Elle est sans la boîte. Alors, est-ce que c'est une console qui avait une boîte? Je me demande. Je pense que oui, hein. Ouais. Par contre, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui l'a repeint et avec des goûts très douteux. Genre, bouton vert, bouton jaune. C'est très bizarre, quand même. L'étiquette est pas droite. Je crois que les étiquettes étaient pas droites derrière la Dreamcast. C'est très laid, hein. C'est vraiment un collector très moche, hein, quand même. Déjà, je trouve déjà pas la Dreamcast incroyable. Aussi cher qu'une PS5 Pro, c'est vrai. Quelque part, c'est intéressant. De comparer. On va faire tous les prix en PS5 Pro. En soi, c'est une demi PS5 Pro. Mais c'est vrai que c'est pas si... c'est un peu cher pour ce que c'est, et je la trouve vraiment pas belle. Déjà que la Dream de base, elle a un form factor qui me plaît pas. En plus, en rouge, avec un bouton vert, un bouton jaune, c'est un peu particulier. Seven's Cross aussi, putain, je l'avais eu celui-là. Le jeu où tu as des croisements génétiques où tu commences goutte d'eau et tu finis molécule qui devient un être humain, qui devient un singe, qui devient plein de trucs. C'est assez drôle. C'est imbitable, mais bon. Disney Goodnight Home, ça c'est le truc qui se met dans les machines de Sega pour projeter les étoiles sur tout le plafond. Godzilla Génération, on vend tout seul. Shenmue 2, 16€, putain, il vaut plus rien Shenmue, c'est terminé. Il fallait en profiter.
100€ le bundle là en bas. Faut trop cher. Oh, Sega Gaga. Sega Gaga Dreamcast. 66€. Avec la spin card, certes. La notice. Putain, 66€, Sega Gaga. Et bah, il a gonflé Sega Gaga de ouf. Hein. Il me semblait que le plus cher, c'était la version collector qui était dans les 100€, 150€. Mais quand je vois des versions simples qui passent à 80€, j'ai un peu peur. Ah, le pad Densha Dego à 100, à 30€. C'est pas cher. 284€. 9 jeux 9. Ça a une grande signification quand même. 9 jeux 9 Dreamcast. On a Phantasy Star Online. 9. On a Virtua Striker 2 version 2000.1. On a Wind A Breath of Art. Avec que des jeux. Ah, Sega Rally 2, c'est marrant. Pia Carotte. Ou rien à voir. C'est pas Pia Carotte, ça, c'est Pia quelque chose, mais c'est pas Pia Carotte. Il y a marqué Carotte, non ? Je crois pas. Hein. Aïe, aïe, aïe ! Il n'arrive pas à le lire, putain. Pia Carotte ? Et Yokuso, bienvenue. Kakarot, bienvenue. Donc, Kakarot existe sur Dreamcast en édition 2 CD. Je sais pas jusqu'où ils sont allés sur Kakarot Dreamcast. Mais j'étais pas au courant. Je crois qu'il était que sur Saturn, PC FX. Et c'était tout, pour moi. Kakaroto et Yokuso. Et Yokuso! Et bien merci Mokona pour l'info. Iku le dauphin. Space Channel 5! Incroyable. Un VMU tout neuf. 20€. Ça coûte plus rien. Est-ce que la Dreamcast, c'est pas un peu la machine sur laquelle investir? Parce que en japonais, ça vaut pas grand chose. Hein. Oh. Ah, il y a un mec qui fait des mods de Dreamcast, tiens. Genre 1000 CD, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais le piratage sur Dreamcast c'est arrivé par une technologie multimédia pour les CD-ROM. Et les premières Dreamcast étaient capables de lire les CD-ROM juste pour ce truc-là, le 1000 CD. Bah, si vous avez une Dreamcast 1000 CD, vous pouvez lire n'importe quel jeu gravé, quoi. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit au Philippos, merci beaucoup d'être passé. À la prochaine. Des bisous. Oh, le Gameworks à 133€ qui met bien là. Il met bien. Hein. Il y a trop de bundles avec les consoles, c'est chiant. Hein. Il y a un mec qui n'est pas la console avec. Le petit pack Sonic Adventure 2 là justement, 10e anniversaire, 53€. C'est Lovina, ça. Je crois que je vais aller dodo, en fait. Je crois que c'est Lovina, ça. Ah oui, c'est écrit là. Lovina. Le pack collector. Il contient quoi? Il y a une Dreamcast dedans? C'est quoi, ça? C'est un chapeau? C'est un saladier? C'est quoi? Ah ouais, d'accord. Le Vina, c'était si coquin que ça. Vous savez que c'était plutôt normal.
fait partie de ces jeux qui ont des boîtes bizarres. L'édition collector de Sega Gaga, elle a une boîte comme ça, une boîte noire, style presque taille DVD, mais plus petite, je crois. Et surtout qui est très rigide, hein. Très, plus rigide qu'une boîte de DVD, quoi. Là où une boîte de DVD, c'est un peu malléable. La boîte de Sega Gaga, notamment, elle est pas malléable du tout. Soul Calibur 2 sur GameCube, aucun lien, fils unique. Je pense qu'on va taper vite fait l'eau Dream Coast. On va chercher, puis après on va dodo. Et l'avantage, c'est que j'ai déjà ma recherche. Ah bah tiens, on retrouve l'annonce des 1000 spin cards et des 1000 red cards. Alors je crois qu'il doit y avoir 500, à peu près 500 spin cards et 500 red cards. Je pense pas qu'il y en a 1000 de chaque. Ça me paraît énorme. Mais ah, c'est 1000 euros, je suis con. C'est combien qu'il y en a? Il y a même des 3DO, quoi. Quoique, on n'est pas loin, hein. Il y a 461 red cards. 461 red cards. Et la belle, c'est quoi? Ah oui, d'accord, mais c'est les spin cards, les labels, pour eux. Donc ça fait ça, ça, ça. 216 pour la PlayStation. Ah, mais d'accord, je sais pas lire. Ok, il y a 216 red cards et 461 spin cards PlayStation. Et après, ça réduit au fur et à mesure. Mais Saturn, c'est 100 et 100. À peu près 200, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ça fait quasiment 1000, quoi. C'est un truc de fou. Le mec est dingue. Le mec est dingo. Surtout que le mec dit pas les titres, quoi. Tu les achètes et tu regardes si t'as les titres qui te manquent. Ça revient un peu cher, le risque. Quoi. Ah, 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 ah. On retrouve quelques lots. Bon, allez. On va taper Dulimucastro. On fait l'eau ici. Ma recherche sauvegardée. Sur Bayou, vous pouvez sauvegarder vos recherches. Sachez-le. Et ça vous permet notamment de sauvegarder jeux vidéo 7. Et en plus de 7, on va rajouter Dreamcast. Comme ça, on aura toutes les annonces où la personne qui vend a mis Dreamcast et a mis un set, c'est-à-dire pas seulement un jeu, mais plusieurs sets, plusieurs jeux plutôt, et vous retrouvez d'ailleurs les sets qu'on a déjà trouvés. Donc ça va être assez rapide puisqu'il y aura beaucoup moins de résultats, vu qu'on n'aura pas les jeux à l'unité. Et très souvent les Japonais respectent le mot set dans leurs annonces, donc ça permet quand même d'avoir des résultats plutôt intelligents. Là par exemple, il y a plein de jeux où il n'y a pas le... où il n'y a qu'un seul jeu, quoi. C'est un peu chiant. Oh, le petit ordinateur de Raymond, là. Il est beau. Moi, je l'aime bien. Ça, c'est le bundle qui me fait le plus envie. Hein. 12 jeux Dreamcast, parmi lesquels Crazy Taxi, Soul Calibur, Sega Rally, Code Veronica, comme on a parlé au début du stream, quoi. Malheureusement, il y a Watch Enmo en double, mais ça, on peut s'arranger. Là, il y a le set des jeux neufs, les 9 jeux neufs. On va regarder sur Yahoo Auction, du coup, après. On arrive au bout. Oh, il coûte rien au Japon. 54 euros. Le gun House of the Dead 2 est à mint. Est à vraiment très bon. Ça me rend fou qu'en France il soit si cher. Même loose, quoi. Ah, les maracas, 66 euros seulement. C'est pas si cher, hein. Je m'attendais à plus cher que ça. Les maracas de Samba de Amigo. Samba de Amigo! Ah, avec le bon autocollant fragile qui a été collé par le vendeur, là. Tiens, ta boîte de Samba de Amigo, elle vaut plus rien. Avec le tapis, hein. Il y avait un petit tapis à mettre au sol, hein. Il fallait mettre les pieds dessus. Et en fait, c'était des capteurs qui étaient au bout des câbles que vous voyez là. Et en bas du tapis, vous aviez un truc à mettre
pour avoir les mêmes capteurs qui voyaient à quelle hauteur était à peu près la maracas. En fait, en bas, je pense que dans le capteur du bas, il y avait des caméras grand angle qui cherchaient les capteurs qui pendouillaient des maracas, en fait. Et à l'intérieur des maracas, il y avait vraiment un petit compartiment avec des billes qui faisaient tchit tchit, et vous pouviez démonter les maracas, retirer le compartiment pour plus qu'elles fassent de bruit. The more you know. C'était pas si simple parce qu'il fallait quand même dévisser le truc, quoi. 79€ pour un set Dreamcast. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a July déjà. Alors nous avons ce jeu. C'est Sakura Wars, c'est un spin-off de Sakura Wars, je sais pas ce que c'est. Code Vita Génération, ça tombe bien. Buggy Hit, ça m'intéresse moins. Incoming, ça c'est un des jeux. Je crois que ça c'est un jeu français. Qui a été récupéré dans tous les sens par Rage et Imagineer, mais c'est un jeu qui était sorti en même temps en PAL et au Japon sur Dreamcast. Qui s'appelait Incoming pour lui. Resident Evil 2 en édition Value Plus, ça c'est cool. Avec tout dedans et la spin card en plus. Mobile Suit Gundam, je connais pas du tout ce jeu-là de Gundam. Mais ok. D2, c'est rigolo. Dream Passport, on s'en fout. July. Gundam encore, malheureusement. Dream Passport, Royal Rumble, Pen. Non, il n'y a pas assez de jeux qui m'intéressent dedans. Mais 79€, c'est un peu cher. 59€, j'aurais dit pour ce genre de pack. J'aurais pas dit 79. Qu'on refasse un live Bailly où je teste Yahoo Flea Market. J'ai toujours pas testé en profondeur Yahoo Flea Market. €1066 la Neo Geo avec deux jeux et une manette en plus. Ouais. C'est Feelings. Feelings. Nothing more than feelings. Est-ce que des reprises en Peter? Tiens, c'est pas cher. Code Veronica et Resident Evil 2 pour 13€. Il y a une arnaque, non? Ah, il n'y a pas les modes d'emploi. Yeah. Pas possible. J'achète pas de jeux sans mode d'emploi. Je ne peux pas. Je suis désolé. Oh là là. Le même jeu 7 fois. Ah non, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, d'accord. Ça doit être le RPG, là. Ouais, c'est ça. Putain, l'intégrale, quoi. 667€. C'est des jeux qui sont chers déjà, ces trucs-là. Mais c'est ouf, là il les a tous, quoi. Eldorado Gate. Impressionnant. Il y a des très beaux objets, hein. Par contre c'est très cher. C'est toujours moins cher que les acheter sur eBay, mais c'est un peu cher. Là ça y est, on tombe sur les lots intéressants, je pense. 120€ pour 25 jeux. Ça me rappelle le lot Saturn que j'ai acheté il y a quelques temps. Alors on a Code Vero. On a Shenmue, bien sûr, l'inévitable. F355, Sonic Adventure, l'édition 1. Sega Rally, Cool Borders, qui est cool. D2. Grandia 2, comme d'hab. Le jeu de golf, là, je sais pas ce que c'est. C'est chelou. Air Force Delta. Oh, VF3TB en boîte simple. Je l'avais jamais vu. On dirait que c'est une boîte simple, en tout cas. Sega Tetris, Aero Dancing F. On a Monaco Grand Prix Racing Simulation Blue. Redline Racer, le jeu de moto là.
Par Criterion ? C'est Criterion qui avait Redline Racer ? C'était bien Redline Racer, Romain. Voilà, Soul Calibur et Virtua Tennis. Ok, bah c'est pas, il y a pas assez de jeux qui m'intéressent pour 120 euros. Et il y a beaucoup de doublons qu'il va falloir que je revende, donc ça m'intéresse pas. Death Crimson 21 euros. C'est quoi ces jeux là? Ah, c'est des jeux chelous. C'est des jeux chelous. Je pense que c'est des jeux courants. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est vraiment les grands classiques. Malheureusement, c'est pas si évident à trouver. Voilà, il y a eu des bons packs en vrai jusque là. Mais... Je cherche vraiment le truc sur mesure, c'est jamais une bonne idée d'ailleurs. Faut toujours trouver le moins pire ou ce qui se rapproche de plus de ce que vous cherchez, mais pas forcément la perfection quoi. Vous aurez jamais un bundle de jeux exactement de ce que vous voulez quoi. Ou alors, vous avez beaucoup de chance, hein. Ça peut arriver. Mais... Ah, c'était une cast point registration. C'est les fameuses cartes qu'on trouvait dans les jeux. Que moi j'ai jamais compris à quoi ça servait quand j'étais petit. C'était le club Sega en fait. Les deux Crazy Taxi, 38,80. Ce genre de bundle thématique là, ça coûte une blinde à chaque fois. Quand vous avez un bundle avec plein de jeux dont les deux Crazy Taxi vont être beaucoup moins chers que ça, c'est ça qui est bizarre. Les lois du marché. Et merci Buxka pour ton follow. Dreamcast avec deux manettes et plein de jeux. Je kiffe la musique, hein, excusez-moi. Je sais pas, Feelings, est-ce que c'est vraiment une... Est-ce que tu connais, Mokona, la version de Offspring de Feelings? Parce que moi je trouve qu'elle est moins déprimante, la version de Offspring. Mais c'est vrai que c'est un peu triste l'histoire de... Enfin, ce qui se passe dans la chanson Feeling, c'est pas la folie. C'est pas dingue, quoi. Je pense qu'elle déprime parce que je trouve pas le bundle qui me va. J'ai évidemment tous ces guides, car j'ai tous les guides de Shenmue, car je suis quelqu'un d'acharné. Et je sais que si je le revends, ça vaudra moins cher que quand je les ai achetés. Et puis de toute façon, je me sépare pas de ma collection Shenmue. Ça c'est réglé. Wow, 1486 euros. 38 jeux Dreamcast. Combien? 1486 euros pour 38 jeux Dreamcast. D'accord, bah ok. Très bien. En gros, la description c'est démerde-toi. C'est un peu... ça fait 40 euros le jeu, c'est très très cher. Il y a Shenmue 1 en plus, donc 40 euros Shenmue 1, ça abîme un peu les fesses, hein. On peut pas trop se mentir là-dessus. Est-ce que ça c'est pas encore Shenmue 1? Il y a deux fois Shenmue 1. Ah ouais, c'est de la grosse merde en fait. Code Vero, 40 euros c'est cher. Avant qu'il y ait des jeux, il y a Special 5 ça? Ça c'est un truc avec marqué 2. Je sais plus ce que c'est. Est-ce que si tu mets deux fois Shenmue 1, ça fait Shenmue 2? Oui. C'est ça. Tu mets le CD de Shenmue 1 et tu attends le titre, l'écran titre.
couvre extrêmement vite la Dreamcast et tu mets le deuxième CD de Shenmue 1 que t'as, en swappant le disque très 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 vite, parce qu'il faut pas que la console reboot, et ça te fait Shenmue 2. Si les gens avaient su ça à l'époque, ils auraient pu jouer bien plus tôt à Shenmue 2. Donc là on a Shenmue 1, mais apparemment on a un Soul Calibur. Eh les gars, si ça vous fait chier de faire des annonces, dégagez en fait. Putain, mais ça me rend fou quoi. Où je suis vénère. Ah, je suis colère. Calibre d'âme, donc c'est Soul Calibur. Virtua athlète, créons une équipe de baseball professionnel et Virtua attaquant. Non, c'est Virtua attaquant, Virtua attaquant. C'est Virtua striker en fait, les deux là. Shenmue, Soul Calibur, Virtua Striker. Et ça, c'est faisons notre équipe de baseball. C'est de la merde. Calibre d'âme. Exactement. Soul Calibur. Ça, c'est intéressant, la webcam. J'aimerais bien la voir. La ravoir. Parce que j'avais déjà. Vous savez, les accidents de jeunesse, tout ça. Eh bien, j'aurai pas mon bundle ce soir. Je pense que je vais vous laisser là. On n'aura pas trouvé mon bonheur, même si le pack qui me plaît le plus, c'est celui-là. Il y a quand même beaucoup de jeux qui me plaisent dedans. À 53€, j'ai Soul Calibur, Dead or Alive 2, Chuchu Rocket, Crazy Taxi, Sega Rally 2, et Code Vero. Par contre, je vais avoir en double Virtua Fighter 3 et Watch Shenmue. C'est un peu chiant. Et ça, c'est quoi? Black Matrix, ça, c'est stylé. Ça me fera, ça complétera la collection Black Matrix que j'ai... Saturne déjà. Et Guilty Gear, c'est toujours rigolo à voir, mais c'est pas le jeu qui me plaît le plus. Quoi. Je préfère Dead or Alive 2. Voilà. Vous êtes désormais prêts. Voilà. Vous êtes arrivés sur Internet. Félicitations. Je vais vous raid. Écoutez, les petits enfants. Bonne soirée, les petits indiens, comme on dit. Hein. Qui c'est qui stream, là? Il y a MO5. MO5, ils font quoi? Sympa le shopping. C'était cool, hein? Moi, j'ai bien aimé. Merci à toi de l'avoir suivi, Molku. Merci pour ton lurk. Ils font quoi, MO5? Star Retro News. Bah, c'est go, ça. Je vous aurai chez MO5. Je vous dis à demain. Je sais pas ce que je stream encore, mais ça sera demain. Ça sera un nouveau stream, une nouvelle soirée. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir assisté à cette session. Merci à ceux qui ont participé en demandant des choses que je cherche à leur place. Demain, ça sera bien. Voilà. Venez demain. Demain, ça sera bien. Je peux pas vous dire. On va pas dire à chaque fois ce qu'on fait, sinon ça spoil. Suivez les réseaux sociaux. Voilà. N'hésitez pas à aller donner de la force à la vidéo qui est épinglée en haut de ce chat. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à aller voir MO5 qui font des rétro news. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour ceux qui seront là. Et à plus. Jouez bien, salut, et bon début de semaine, bonne reprise pour certains. Ciao.